Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. S'il y a bien un moment que nous apprécions tout particulièrement, Anne-Gaëlle et moi, c'est maintenant. C'est ce moment de calme qui précède la tempête. C'est vrai, ce petit moment de silence avant l'arrivée des candidats, c'est quand même un moment rare, hein. Plein de poésie, de sérénité. La boule, tu peux faire un peu moins de bruit? Excuse-moi, Anne-Gaëlle, tu disais... Je parlais de poésie, je crois. Bah écoute, pour ce qui est de la poésie, on va peut-être la mettre de côté. Peut-être. Oui. On passe à l'équipe ? Je vais chercher, candidat. Oui, très bien. Et aujourd'hui, sur le fort, nous avons le plaisir d'accueillir une équipe aux multiples talents qui concilie le charme et l'humour, emmenée par un monstre sacré du journalisme et de la télévision, puisque nous recevons Patrick Poivre d'Arvor, journaliste, écrivain. Aujourd'hui, il est producteur et animateur de l'émission La Traversée du Miroir sur France 5 et de Horizon Lointain sur Arte. Virginie Lemoine, comédienne, humoriste et chroniqueuse, elle joue actuellement dans la pièce de Ray Crounet, Tout le plaisir est pour nous. Sophia Aram, comédienne, humoriste et auteur du One Woman Show à succès Du plomb dans la tête. Darius Khétari, comédien de théâtre et de télévision, il joue actuellement dans la pièce de théâtre La Bombe, écrite par Carole Grepp. Le talentueux Rodolphe Sand, auteur, acteur, réalisateur et metteur en scène de théâtre. Et la belle Sophie Vouzelot, première dauphine de Miss France 2007, elle a publié une autobiographie intitulée « Miss et sourde ». Ils ont décidé d'unir leurs forces pour l'association du Secours Populaire qui lutte contre l'exclusion des enfants et des familles défavorisées. Pour elles, ils vont tenter de remporter un maximum de boyards. Alors d'avance, souhaitons-leur bon courage et bonne chance. Ah, le peloton, il y a un peloton de tête et puis il y a le reste. Après, ça traîne un peu. Oui. Installez-vous là. Déjà tiens, Sophie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. On est très heureux de vous avoir avec nous. Bien sûr, une belle équipe avec des talents venant d'horizons très différents. Donc j'espère que voilà, vous allez être brillants tout au long de ces 90 minutes. Alors, je vous précise tout de suite que Béatrice est auprès de nous. C'est pour Sophie, de manière à ce que, bien sûr, Sophie puisse clairement comprendre ce qui va se passer tout au long de ces différentes phases d'aventure. Quand je parle de phases d'aventure, pourquoi ? Eh bien, regardez. Il y a devant vous un chemin de fer qui symbolise les différentes étapes que vous allez vivre, avec pour les 45 premières minutes, symbolisées par ces clepsydres, 13 possibilités d'avoir des clés. Et les clés, c'est important pour ouvrir la porte du trésor tout à l'heure. Alors, si nous sommes ici, rassemblés à la passerelle, c'est parce qu'on va directement vous mettre dans le bain avec une épreuve collective, symbolisée par cet appareil. Il y a une colonne d'eau qui sera en quelque sorte votre chronomètre. L'eau va s'écouler à mon top, sachant que vous devez récupérer des codes, et ce un code, et ce code se trouve dissimulé derrière la peinture fixée sur cette plaquette et sur une autre qui est au deuxième étage, juste sous la vigie. Pour révéler ces chiffres, il vous faudra un grattoir que Passepartout va s'empresser déjà de vous donner. Ah oui, d'accord. Très bien. Merci Passepartout. Ah, là-haut. Et donc, pendant que l'eau va s'écouler, vous allez devoir trouver les chiffres en commun à ces deux plaquettes. Ils sont au nombre de 3, ces chiffres communs, qui composent donc le code. Une fois la porte ouverte, vous récupérez le récipient qui est à l'intérieur. Et s'il déborde par l'eau qui s'écoule, vous aurez remporté une épreuve supplémentaire. On va donc, sans plus tarder, Passepartout, se mettre en position, s'il te plaît. Choisissez bien celles et ceux qui restent ici et ceux qui partent au second étage. Il faut attention, il faut gratter. 3, 2, 1, vas-y. Il y en a 2 qui peuvent aller à cette plaque ici, 3 qui montent là-haut. Et criez-vous bien les numéros, si vous dites bien avec moi. Criez-vous bien les numéros, 3 chiffres en commun pour composer le code et récupérer le récipient. Dès qu'ils ont donné les codes, tu appuies sur C, les 3 chiffres, et ensuite tu récupères le récipient. Et il faut vraiment que, dans le temps donné, on récupère. Il doit y en avoir davantage. Il y en a plus que ça des numéros sur la plaque. Là, grattez bien. 8, 5, 2, 8, 5, 1, 7, 2, 8, 5, 1, 0, 2, 8, 5, 1, 3, 0, 5, 1, 3, 0. Qu'est-ce que t'as? Est-ce que tu les as sur cette plaque, Sophia? 5, 8, 0. Ça y est? 2, 0, 1, 2, encore, regarde bien les numéros que tu as. 2, 8, 5, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 8, 5. Alors, 3, 9, 4, 7, 5. Criez-vous bien les numéros, il y a 3 chiffres en commun sur ces deux plaques. Mettez-vous d'accord. 2, 8, 3, 0, 1, 2, 3, 8, 5. 9, non. Vite, 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 vite. 2, 3, 5, 2, 3, 5. C'est 2, 3, 5. 2, 3 et 5.
Le C, 2, 3, 5, tu tournes vers la droite, super. Tu remplis le verre, j'espère qu'il y en aura suffisamment. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Et on peut boire ? Viens, 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 si je te non, conseille pas. Ça ressemble à du pastis. Tu viens à côté de moi. Si on en remplit deux, non. Oh. Non. Essaye de le décaler un peu. Voilà, parfait. C'est bien, là, on est bien là. Voilà, ça c'est les contrôles. Et ça déborde, et c'est gay. C'est ma vidéo ! Bravo. Super, merci beaucoup. Belle efficacité. Merci Fort Boyard. Belle coordination. Je me sens, oui, c'est très bien. On est super. Car j'ai quand même monté l'escalier. Vous avez besoin de moi et je suis redescendu. Tu vas être davantage sollicité dans quelques instants, sache-le. Bon, très bien. Allez, ça vous fait donc une épreuve bonus. Maintenant, le choix. C'est un peu comme au restaurant. On va vous proposer soit de choisir une épreuve d'agilité, soit une épreuve d'adresse. Vous allez me dire, quelle est la différence ? C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a une subtilité malgré tout. Alors, Patrick, qu'est-ce que vous sentez ? Plutôt l'agilité ou plutôt l'adresse ? L'adresse. L'adresse, parfait. Okay. Nous verrons ça donc tout à l'heure. Bon, vous n'êtes pas là uniquement pour l'amour de la vieille pierre, je pense. Hein. Je crois que vous êtes là aussi pour soutenir une association. Qui peut nous en parler ? Eh bien, Virginie. Patrick, Virginie. Oui. Patrick, nous tous, particulièrement Patrick, Sophie et moi, nous sommes parrains et marraines de l'association du Secours Populaire et nous sommes là pour rapporter de l'argent pour que les enfants partent en vacances. C'est une opération qui s'appelle les Oubliés des Vacances. Je laisse Patrick vous en parler. Bon, simplement parce que nous, on a l'impression de passer une journée de vacances magnifique ici, dans ce fort et sous ce ciel et avec vous. Et qu'il y a des tas d'enfants qui n'ont jamais vu la mer, qui n'ont jamais même pris un jour de vacances pour sortir d'une grande ville. Et l'année dernière, pour juste 150 euros qui manquaient, il y a un quart qui n'a jamais pu partir. Donc c'est pour ça, le plus de boyards on peut rapporter, le plus on sera content. Absolument. Sachez simplement que dans un instant, donc, ces 45 minutes vont être activées par le gong de la boule, ce qui veut dire... C'est toujours assez violent. Tu ne fais plus jamais ça. Il parle plus gentiment que ça quand même, parce que c'est la boule. Ah, je l'avais pas vu. Autant pour moi, monsieur. Ce n'est pas un homme très conciliant. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit déverrouiller les serrures qui la protègent. Les clés s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du père Foura. Si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les geôles de Fort Boyard. Attention, avec seulement 5 clés obtenues, la grille s'entrouvre en ne libérant qu'un accès minimum, ce qui limite considérablement la prise des boyards. Avec 6 clés, l'accès limité pénalise toujours les allers-retours vers le trésor. Pour que la grille s'ouvre entièrement, 7 clés sont nécessaires. Mon cher Patrick, puisque tu es près de moi, eh bien, je vais en profiter. Je m'adresse là à l'homme de lettres d'abord, puisque tu es un homme aux talents multiples. Et ma foi, tu as écrit un livre qui s'intitule « L'âge d'or du voyage en train ». Et je me suis dit « L'âge d'or du voyage en train ». Voilà une belle idée qui pourrait d'ailleurs trouver éventuellement une suite, « L'âge d'or du voyage en tonneau ». Oula. Et je pense que l'inspiration va te venir immédiatement. En tout cas, je l'espère. Attention. Allez, Patrick. 3, allez, Patrick. 2, 1. C'est parti. Allez, la clé, elle est droite devant lui. Il y a un tonneau, un trapèze au-dessus. Non, il faut qu'il remonte, qu'il attrape le trapèze et qu'il roule sur le tonneau en faisant des petits pas jusqu'à la clé. T'as compris, Patrick ? T'as compris ? J'ai compris, oui, oui. C'est juste ok, tu dois attraper le trapèze et rouler sur le tonneau. Il faut monter sur le tonneau. Jusqu'à la clé. Il récupère le trapèze. Alors, qui est au-dessus. J'avance le tonneau. Tu récupères le trapèze tout au-dessus de toi. Voilà. Voilà. Oui, mais... Vas-y, Patrick. Allez, vas-y. Patrick, voilà. Voilà, on lance avec les bras. Il fait des petits pas. Attention à la position. Qu'il se mette un peu en avant. Un peu en avant pour trouver l'équilibre. Il faut que tu te mettes un petit peu en avant pour trouver l'équilibre. Il faut que tu retournes sur le tonneau. Voilà. Ah, tu roules sur le tonneau, tu avances avec le tonneau. Il faut qu'il fasse rouler le tonneau sous ses pieds. Fais tourner le rouleau. Il peut le repositionner. Voilà, positionne le tonneau sous le trapèze. Fais le rouler doucement sous tes pieds. Quand tu avances, alors facile. Sophie, n'hésite pas à regarder la clé psydre hein, pour le temps, ok? Voilà, Patrick. Là, c'est bon. Allez, faut faire rouler le tonneau maintenant. Les bras en avant. En avant, Patrick. On est tranquille, Patrick. Tu peux y aller tranquillement. Avance doucement, fais rouler doucement. Bon, c'est pas une épreuve qui est simple. Hein. Il faut vraiment qu'il trouve sa bonne position. C'est pas évident du tout. On est obligé d'utiliser le tonneau.
Tu peux replacer le tonneau. Tu replaces le tonneau, ouais. Et tu dois avancer avec le tonneau, effectivement, le faire rouler vers l'avant. Mais on est obligé de l'utiliser, on peut pas. Tu es obligé de l'utiliser, apparemment. Ah oui. Ah oui, il est obligé d'utiliser le tonneau, mais voilà. Là, ça me fait peur. S'il va partir du début, là, pour sauter, attention qu'il se fasse pas mal, là. Attention, fais attention, ça fait pas mal. Oh là là, ça me fait peur, ça. Attention, attention, attention. Ah bon, ouais, 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 vas-y, ouais. C'est pas toujours réussi, hein, de toute façon. Voilà, c'est pas facile le fort. Hein. Vous allez vous en rendre compte. Ne sois pas désolé. C'est un petit échauffement. On y va tout doux, tranquille. On suit passe-partout. On file à la prochaine épreuve. Il nous faut au moins 5 clés pour que la porte s'ouvre tout à l'heure. Tout ça, la première épreuve, tu sais bien, toi qui es un grand sportif, il faut d'abord s'échauffer. J'ai toujours perdu la première épreuve. Non, mais tu as été formidable, cela dit. Oh oui, je te remercie. Mais... que ça doit être pour ceux qui réussissent. Hein. Problème. Mais tu sais quoi, en première épreuve, généralement, il y en a très peu, pour tout se dire. Parce que justement, il y a le problème de l'échauffement. Et maintenant que notre Patrick est bien en jambes, me doute que le reste de l'équipe va suivre dans la foulée. Quand on peut faire compliqué, eh bien ici sur le fort, nous sommes toujours les premiers. C'est vrai, ce serait trop simple. Ouais, oui. C'est vrai, on pourrait très bien déplacer des conserves à la main. Non, ici on les déplace avec des baguettes. Sofia, tu vas expérimenter la chose. Bien sûr. Tu ne vas pas être toute seule, Darius va t'accompagner. Allez. Bonne chance à vous deux. Attention. Devant ou derrière? Allez, on va voir. Allez, on va voir ça. Allez, une bonne coordination. Voilà, chacun prend un bâton. C'est ça, d'accord. Ça. Ouais. Alors, vas-y. Non, mais il faut qu'il prenne un saut, le saut bleu. Les sauts bleus. Virginie, mets-toi au-delà de la porte. Le saut bleu. Le saut bleu. Celui-là, il touche pas, c'est du décor. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Là, c'est bon. Là, il faut vraiment qu'il soit très trop. Pour pas faire tomber. Alors, vas-y. Parlez-vous. Tu me guides, tu me dis. Moi, je reste contre toi. D'accord. Je reste contre toi. Voilà. Passez les premiers obstacles. Jusqu'au panier. Super. Très bien. Pas trop vite, pas trop vite. Calmez-vous, les enfants. Calmez le jeu, hein. Allez-y tout doux. Ok. Attends, on va avancer du temps. D'accord. Il faut doucement. Et il faut plus calmement. En fait. Et il faut deux sauts. Vous faut mettre deux sauts dans les paliers. Voilà, c'est magnifique. C'est tranquillement, bien, ça, tranquillement. Ah, dommage, dommage. J'étais presque. Allez, vous pouvez y arriver, là. C'était bien. Ok, vas-y. Calmez le jeu, hein, allez-y tout doux. Je me sens mal. Ah, il s'écarte, dommage. Faut vraiment rester bien parallèle, bien proche l'un de l'autre. Allez. Super. Allez jusqu'au panier, non, dommage. C'est vraiment ce saut qui est difficile à passer. C'est super dur. Vraiment que Sophia retienne et que Darius... Allez, on recharge, on commence. Sophia, il y a encore le temps, mais il faut vraiment qu'il... Et Darius pousse. Oui. Voilà, super. Attention, on ne va pas trop vite. Allez, on y croit. Oui. Bravo. C'est bien, bravo. C'est bien. C'est bon. Jusqu'au bout. Ça, c'est assez bon, là. Ah oui. Ouais. Pas mal. Allez. Ça sent fort, ce truc-là. Ça vient de la corde du saut, voilà. Allez, c'est reparti. Dommage. Voilà, attention au temps, hein. Je pense que Il faut qu'il sorte. Oh là là. Autant gagner un petit peu de temps pour la suite, c'est dommage. Mais on s'est pris dans des sauts. On est des stupides. Vous étiez près du but à chaque fois. Vous avez failli le mettre. Mais on a pris le vaisseau au début. Oui, alors on a bien vu, vous avez perdu un petit peu de temps, effectivement, sur la déco. Oui, qui ne sert à rien. C'était de la déco, voilà. Mais vous nous avez fait rire en même temps, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon point. Bien, alors pour ceux qui n'auraient pas bien compris les règles, je vous rappelle qu'il nous faut des clés. Oui. Donc une première clé déjà. Et peut-être un petit cri de guerre pour se mettre en... Attention. Allez. Alors sur le secours populaire. Merci qui? Merci populaire. Ok, on s'y passe partout. Il nous faut une première clé. Angle.
Olivier, on vit. Oula. Anne-Gaëlle, j'aimerais maintenant faire appel à une candidate qui n'a pas le vertige et qui ne dit jamais non quand on lui fait une proposition sympathique. C'est Virginie, n'est-ce pas Virginie? Oh là là, mais qu'est-ce que va me faire? Oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. Elle accepte. Ça va. Te laisse pas impressionner. Hein. Bonjour, c'est toi. Tu suis passe-temps. Oui, nous, on suit passe-partout. On te retrouve juste après la prochaine aventure. Et tu nous ramènes la clé. Allez, vas-y, la clé, vas-y, 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 vas-y. Allez, on y va. Ah, bonjour. Ah, non, 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 non. Ah, bon. Virginie, on est avec toi. Comment allez-vous, Père Fora? Oh, bah, bonsoir. Je suis désespéré, Olivier. Catastrophé. Bah écoutez, je constate que toute l'histoire de France est basée sur le chiffre 16. Et moi, je n'ai aucun 16 dans ma vie. Tenez, voilà. Le 16 octobre, Marie-Antoinette est guillotinée sous Louis XVI. Le 16 avril, c'est le lancement de la fusée Apollo 16. Voilà, et puis j'en ai plein. Il y en a plein partout, partout. Partout. Vous savez que c'est drôle, monsieur. Moi-même, je suis né un 16, figurez-vous. Oh non, oh non, non. Pas vous. Non, non, ne me dites pas ça, Olivier. Ah oui, non, attendez, oh. Attendez. Ne nous emballons pas, ne nous emballons pas. Il y a bien un 16 dans ce fort qui doit être lié à vous. On va bien trouver ça quelque part. Ouais, je suis toujours dans la vigie, moi. Hein? Bah oui, bah, oui, c'est bien. Et c'est très petit. C'est très étroit. C'est quoi? Très étroit. Vous l'avez? Très étroit, vous l'avez. Oh, père Fouin, je vous laisse. Ah, c'est malin. Ah, ouais. Ça, c'est malin. Vous êtes un peu lourd, hein, des fois. Hein. Très étroit. Ouais, bah, ça, c'est rigolo, ça. La vigie est très étroite. Bah non, ça marche pas, ça. Allez, bonne chance. Si. Bon, comment je vais rentrer dans l'histoire, moi? Bon, rentrons dans l'énigme déjà, après on verra. Bon, bien, bien, bien. Virginie. Bonjour, Père Fouin. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous? Bien, ben, j'espère que vous descendrez avec le même sourire j'espère. De quel vous êtes monté. Hein? J'espère. Oh, le moine et l'ermite en étaient faits pour se rencontrer, n'est-ce pas? Ben, sans doute, puisque c'est la deuxième fois ouais. Que j'ai cette chance. Oui, bon, allez, trêve de mauvais jeu de mots. Vous avez envie de répondre à une énigme? Je sens que vous êtes impatiente. Si elle est très simple, j'ai très envie. Ben, écoutez, ça, on va voir. Hein? Très simple. Allez, on se concentre. Une énigme pour une sotte. Oh là, quelle haute considération vous avez de vous-même. Bon, allez, on y va. Allez, voici l'énigme. Une teinte de rouge, elle peut définir. Des aliments liquides, elle peut contenir. Elle peut être réfractaire, tout en étant faite de terre. Qui est-elle? Je répète. Une teinte de rouge, elle peut définir. Des aliments liquides, elle peut contenir. Elle peut être réfractaire, tout en étant faite de terre. C'est brique. C'est pas la grenade? Non, allez, continuez. Grenade rouge carmin, faite de terre. Elle peut être réfractaire? Tout en étant faite de terre. Aïe, aïe, aïe. Oh, fébrile, hein. Je vois pas. Ah non, vous voyez pas. Allez. Une teinte de rouge, elle définit. Oh, papa, je vais vous donner la bonne réponse. Oui, c'était la brique. Mais oui, la brique désigne une couleur, une nuance de rouge. C'est dur. Et puis une brique est un contenant pour la soupe ou le lait. Et une brique est un matériau de construction à base de terre. Quand j'ai dit ça comme ça, j'aurais pu se trouver. Une brique réfractaire supporte les hautes températures. Sans regret, j'aurais pas trouvé. Bon, bah, aucun regret alors. Bah, non, c'est facile, allez. Allez, c'est pas fini, ça commence. Ah, maman, au secours. Allez. Merci, au revoir, Père Fouin. Au revoir. Allez, elle était dure. Ça reprend. Ça va pas casser des briques. Dommage. Bon, écoutez, moi j'ai bien compris en fait de quelle était la stratégie de votre groupe. Vous voulez ménager le suspense. Ouais, c'est logique. On voit là les auteurs qui sont là, les comédiens. C'est normal. Bon, nous allons entrer donc dans une nouvelle phase maintenant dramaturgique avec une cellule qui, ma foi, s'apparente pour beaucoup à la Loterie Nationale. Oui. Mais aujourd'hui, le tirage sera fait par Rodolphe. Ah. Et le gros lot, c'est la clé, bien sûr. Rodolphe, présente-toi devant la porte. Allez, Rodolphe. N'aie pas peur, mon ami, n'aie pas peur. Attention. Allez. Tu peux pas être plus mauvais que nous. Hein. Voilà, il entre, il s'engouffre, voilà, à l'intérieur. Il passe sa tête, il y a des poignées. Passez la tête au centre du plateau, voilà, de l'autre côté, des poignées devant lui. Il se retourne, voilà. De l'autre côté, dans l'autre sens. Passe l'autre main.
Voilà, parfait. Bon, bah alors maintenant c'est le casse-tête. Hein. Il faut et après, vraiment je fais quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Fasse rentrer une l'une de ses boules. Il faut que tu fasses rentrer une des boules dans la rigole qui est juste à sa gauche. Qui est à ta gauche. Alors il faut vraiment faire pivoter le plateau pour que les boules ne soient dégagées déjà. C'est ça que j'ai compris. Voilà, très bien. Alors à votre avis, quelle est la boule qui peut rentrer? Il y en a des grosses, des petites, toutes les tailles. Il y en a une seule, ça nous va. Oui, mais il faut que ce soit la bonne. Ah oui. Regardez en fonction des couleurs et des tailles. Ok, la rouge, on parle là-dessus, Sophia. Allez, est-ce qu'il a vu ou est-ce qu'il fallait la rentrer? Voilà, dans la tête, ça doit rentrer à côté de ta tête, tu as vu? Oui, je la vois, mais j'arrive pas à la mettre. Alors, va essayer d'aller moins vite, Rodolphe. Voilà, il calme un peu le jeu. C'est un petit peu brutal, là. Ouais, c'est un peu trop. Il est bien, il est bien. Tout doucement, plus doucement. En tout cas, c'est très trop. La tête dans les étoiles. Voilà, 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 voilà. Allez, faut faire pivoter un peu plus. Pour prendre une boule. Attention au temps, oui, comme dit Sophie. Ah oui, il reste plus beaucoup de temps là, il faut que tu y ailles. Allez, allez. Allez, Rodolphe, allez. Ouais. Par là. Tu penses qu'il faut le faire sortir, Sophie? Oui, parce que le temps c'est retiré. De marge, hein. Mais c'était quoi ce truc de fou, quoi? Les casse-têtes, quand t'étais petit, c'était pas ton truc? Mais tellement. En fait, j'ai mal compris le jeu. Je suis tellement. Mais non, parce que. Non, mais c'était pas évident. On a tous perdu, donc pour l'instant, voilà. Donc vraiment. Non, bah, alors maintenant, on va se refaire. On a plus de choix. C'était notre tour de chauffe, maintenant, on a plus de choix. 45 minutes pour obtenir au moins 5 clés pour que la grille s'en trouve tout à l'heure. Et 7, c'est quand même mieux pour que ça s'ouvre entièrement. Vous pouvez en gagner encore plus des clés. Hein. Avec ça, vous pouvez gagner après des indices supplémentaires pour trouver le mot code. On y va par étapes, on commence par une première clé, ce serait super. On y va? Oui. Allez, on y va. Ah non, on va dire passer par là. Merci. C'est celle-là la bonne, tu vois. Tu veux jouer? C'est maintenant. Tu vois, j'ai un truc. Good vibes? Ouais, on peut dire ça comme ça. Bien. En langage de jazz. Ouais, bien entendu. Ça m'épate. Tu es tout jeune. Bon, allez, on perd du temps. Ah, eh bien, justement, Béatrice, tu vas t'approcher ainsi que Sophie. Ah. Venez toutes les deux. Enfin, notre chance. Ma chère Sophie. Figure-toi que cette épreuve, maintenant, est une épreuve dite physique sur le fort. Et on s'est dit, physique, une miss. Pour ce qui est du physique, ça la connaît. Ça ne devrait donc pas être un souci pour toi. Bonne chance, n'oublie pas, la clé, plus que jamais, importante. Attention. Bonne chance, Sophie. Bonne chance, Sophie. Tu nous portes bonheur. Allez. L'épreuve du tourniquet. Ok, attention. Là, il faut vraiment trouver le bon rythme. Elle enjambe, elle se baisse. Ah, c'est bien le dos, elle est bien. Déjà, un très bon rythme. Bravo, bravo. Ouais, super. Il y a quatre petites vis papillons à dévisser. Très bien, très bien. Voilà, elle se baisse. Attention, la tête. Méthodique, calme, organisée, c'est l'exemple à suivre. Allez, calme, super. Allez, encore une vis. Encore une. Ensuite, elle arrache la plaque. Allez, Béatrice, dis-lui qu'elle peut tourner encore un tout petit peu. Okay. Voilà, super, super. Parfait. Ouais. Tu peux remettre la clé à Passepartout. Ça sera notre clé, donc ils vont bien la garder. La première clé, et ce ne sera pas la seule. Angèle, ah bon. Oui. Tu sais comment on signe Sophie? Alors non, dites-moi. Eh ben, regarde, Sophie en langue des signes. Sophie. On a tous un petit nom. Ça. On a tous un petit nom. Pas mal, pas voilà, mal. On a tous un signe. D'accord. Donc, il faudra qu'on t'en trouve un. Ouais. Je vous laisse cette mission, ah, absolument. Bon, ça a été, hein. Bonne coordination. Bravo, hein. Félicitations. Super. Bravo. Ça va nous porter bonheur pour la suite. Merci. On y retourne. Deuxième clé. Et bravo pour tes choses. Allez, on y va. Bon, bah voilà. Regardez Passe-Muraille là-haut. Sur 5 cellules. C'est une première clé grâce à Sophie. Bravo, félicitations. On continue comme ça? Allez. Voilà qui annonce une nouvelle ère. Oui. L'ère des clés. Je t'avais dit, j'avais senti. Ah ouais. De la clé pour l'instant. Oui, clé, certes, certes. Songes. Mais tu sais, quand on a trouvé le filon, généralement, une pépite en amène une autre. Et je ne doute pas un seul instant, Patrick, que tu vas nous en amener une, toi aussi. De clé. Maintenant, c'est à l'homme sportif
je m'adresse. Et ma foi, sachant que tu pratiques le tennis et que pour toi, le gazon ou la terre battue n'a pas grande importance car tu excelles dans les deux catégories, on s'est dit, que pourrait-on bien proposer à Patrick? On s'est dit peut-être que le seul moyen, c'est de lui proposer comme seul adversaire lui-même. Ça paraît un peu... Non mais c'est mon pire adversaire. Mais... Bah, à mon avis, tu vas voir. Vous allez faire bonne équipe tous les deux. Je t'en prie. Oui. Présente-toi le rapport. Deuxième clé. Hein. Fais du coup, là. Allez, regarde bien. Une raquette au sol, un tremplin, faut prendre de l'élan et se matcher. T'as une raquette au sol. Oui. T'as un tremplin. T'as un tremplin, faut que tu prennes de l'élan et se matcher, Patrick. En sautant sur le tremplin. En sautant sur le tremplin. Voilà, il a compris, c'est ce qui va libérer la clé au fur et à mesure. Faut frapper plusieurs coups. Oui, et ça va libérer la clé au fur et à mesure. Tu dois faire plusieurs coups. Ok. Prends ton élan. Plus d'élan. Plus d'élan. Et beaucoup de détente. Hein, et beaucoup de détente. Voilà. Ah, dommage. Non, mais c'est super haut. Allez, Patrick. Vas-y, Patrick. Elle est super haute. Allez, encore. Il est presque. Plus haut. Très, très, très haut. Un petit peu plus haut. Il peut pas plus haut. Il faut qu'il saute vraiment. Ah, non, ne t'arrête pas, cours, en sautant. Allez, il faut qu'il reprenne un peu son souffle aussi. Ouais. Ça va, tu as le temps. Ouais. Ok. Alors... Souffle bien, respire. Respire. On reprend une fois. Encore quelques coups, ça va faire descendre la clé. On regarde le temps, il y a encore plein de temps. C'est joli ça, Patrick, bien. C'est lui qui a le temps de se respirer. Oui. T'as le temps de respirer, hein, t'as le temps. Hein. Allez, c'est bien. Tranquille, hein, Patrick. Allez, vraiment de la puissance au moment de la frappe. Hein. Ouais. C'est bien, génial. Allez. 4. Tu en donnais combien Il a trouvé le rythme, voilà. Elle est là-haut, tu vois, elle est accrochée là-haut. Et à force de frapper la balle, ça fait tourner et ça va libérer la clé. Allez, augmentez, c'est pas grave. Patrick, t'as encore le temps. Hein. Respire bien. Allez, peut-être en une ou deux fois, c'est vraiment hyper épuisant. Oui. Ok. Encore une fois. Dernier coup. Et tu as le temps. Allez, Patrick. Ouais. C'est la prochaine. Super. Regarde, elle est tout près là. Il peut le faire encore une fois. La clé. Ça va, on est bien. On est bien au niveau du temps. Bien joué. C'est épuisant, hein. Pourquoi je ne les fais pas tout de suite? Parce qu'il faut vraiment beaucoup de puissance et ça tourne au fur et à mesure. Exactement. C'est bon, bravo. C'est bon, bien joué, parce qu'il faut de la détente là quand même. Hein. Là, c'est très très haut, pas simple. Mais bravo, c'est une deuxième clé, c'est ça, Passepartout? Bravo. Deux clés. Bien joué. Allez, on continue, le chrono tourne. On va par là? On te suit. C'est le GPS du fort, hein, Passepartout. C'est dur. Ah, monsieur John, je pense sincèrement. Vous savez quoi? Ce cadeau devrait vous faire plaisir. Oh, celui-là, je crois que c'est le définitif. Non, c'est dans l'autre sens. Ce sont des bâtons d'encens, voyez-vous, n'est-ce pas? Non, parce qu'avec les animaux et tout ça, chez vous, ça... Pff, comment vous dire? Ça faut être un peu... Mais... Alors, ça, c'est mandarine thé vert, mais c'est du bio, hein. Bon, on va les allumer, c'est plus simple. Vous avez du feu ou pas? Vous n'avez pas de feu? Non? Ben, écoutez, moi non plus. Notez, en même temps, d'un sens, quand on les allume pas, ça dure plus longtemps. C'est... Allez, suivez-moi. Bonjour. Allez-vous? Rien interrompu, tout va bien? Monsieur Chan, non, pas du tout. Non. Oui, enfin, oui. Trop compliqué à expliquer. Allez-vous. Venez, rapprochez-vous. Monsieur Chan, l'équipe, Monsieur Chan. Mes amis. Monsieur Chan. Je suis acheté. Bien, Monsieur Chan est un grand spécialiste du casse-tête. Il va choisir quelqu'un parmi vous, Monsieur Chan. Faites procéder, je ne sais pas comment on dit. Patrick a eu un moment de doute, mais... C'est casse-tête au sens littéral ou... Non, figurez. Alors déjà, comment on s'assoit sur la table? La tête sur le traversin, les bras le long du corps. Tu t'allonges bien, voilà, bien la tête sur le traversin, en effet, comme le dit Anne-Gaëlle. Et les bras, les bras le long du corps. Parfait, détends-toi, tout va bien se passer. C'est un petit scanner, hein, très rapide. Bloque la respiration. À partir de maintenant... Virginie. Quoi, mon Dieu? Présente-toi
devant le, ce joli petit présentoir. Là, ici, je me mets là. Voici une figure géométrique. Cette figure géométrique, Monsieur Chan, doit être reconstituée grâce aux pièces de bois que voici, dans le temps de la clepsydre, bien sûr. Mais attention. Comment j'y vais? Il faut que tu glisses tes mains. Avec les mains. Mais qu'est-ce que c'est? Ça va déstabiliser parce qu'il y a à l'intérieur des belles plates. Et vous pouvez l'aider, hein, que quelqu'un lui montre où elle en est à chaque fois sur le plateau. Je peux pas regarder, moi. J'ai le droit de regarder, moi. Sophia, guide-la un petit peu. C'est pas indispensable que tu regardes. Non, c'est pas indispensable. Il est moitié. Alors je sais que c'est facile à dire, Virginie, mais si tu peux mettre les deux mains, tu iras peut-être plus vite. Je vois pas, lui-là, il va là, je pense. Tu peux mettre les deux mains. Aidez-la bien à se repérer. Parce que je vois pas où elle en est. C'est pas mal ça, tu fais, c'est bien. Non, le noir, là, le noir, il est pas comme ça, tu le couches sur la longueur. Le premier noir que tu as. Justement, gardez bien le doigt comme ça pour montrer où elle en est. C'est pas simple de passer, balayer des yeux comme ça, de droite à gauche. On n'a pas le droit d'arrêter le tourniquet. À un moment, ça va ralentir un peu, ça va vous aider. De l'autre côté. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Non, à gauche, tu remontes. Voilà. Voilà, non, allons. Voilà. Ouais, c'est bien. Celui-là. Qu'est-ce qu'il a? Il y en a qui. Chut, Rodolphe, la déconcentre pas. Tout va bien, Rodolphe. Hein. Elle va y arriver. Attends, je suis pas du tout sûre. Alors, ça, je fais comme ça. Voilà. Après, tu mets un noir. Celui-là, le noir que tu montes. Oui, celui-là, comme ça. Décale un peu vers la gauche. Ça. Pas le blanc, c'est juste le noir. Voilà. Comme ça. Ensuite, ça. Ah, c'est bien, quand même. C'est pas mal. On est encore bien au niveau du ton. Ouais, c'est ça. Un blanc à côté, un blanc tout de suite à côté. Un noir à côté. Un noir, voilà, tu le décales. Voilà, exactement. Ensuite, celui-là. Un noir en deux. Celui-ci, tu le couches à l'angle de celui qui est vertical. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu descends un peu le blanc, Le blanc que t'as mis, voilà, tu le descends. Attends, c'est bizarre parce que. Regarde bien, quand même. Il manque un blanc. Attends, Monsieur Chan ne te regarde pas d'un air. Rodolphe, il manque un blanc. Je ne sais pas, je peux Alors, le noir. Attention à la clepsydre, regardez le temps. Là, le sort de Rodolphe dépend vraiment de toi, la Virginie. Attention à la clepsydre. Stop. Désolé, Monsieur Chan nous fait signe que c'est terminé. Reculez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Alors, attends, il va nous apporter son jugement. Ah oui, d'accord. Je crois que malheureusement, Il y a l'idée quand même. Il y a l'idée. Monsieur Chan, je crois que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oh là là. Il va aller en prison, la boule va bien s'occuper de lui. Ne vous inquiétez pas, on le retrouvera tout à l'heure. On va vraiment se concentrer maintenant pour récupérer encore des clés, ça suffit pas. On n'a pas assez. Donc on file à la prochaine épreuve. Il voulait mourir. Allez-y. Et on le retrouvera tout à l'heure. Allez-y, voilà. Vous en prie. J'ai fait du mieux que j'ai pu, c'était compliqué. Mais c'est pas. Allez, on le fait. C'est toujours compliqué si j'ai Monsieur Chan. D'ailleurs, je ne vous dis pas adieu, puisqu'on se revoit la semaine prochaine, je crois. Et encore parfois c'est pire, hein. On a des migales. Moi je croyais qu'il allait recevoir les plaques. Eh bien, Sophia, tu fais une drôle de tête tout d'un coup. Il m'a fait très très peur, monsieur. C'est vrai ? Mais c'est pas un homme aimable, hein. Oui, je sais. C'est horrible, on vous a pas prévenu. Tu as le cœur qui fait comme ça. Et Rodolphe, il va comment ? Rodolphe n'a pas souffert. On n'a pas eu le temps de lui dire un mot d'adieu. On l'aimait. Je veux la machine, moi, qui voit souvent Rodolphe dans la vie. Ça peut me rendre service. C'est vrai ? Non, je dis ça. Non. Je suis mauvaise langue, c'est un type adorable. Il nous avait confié ses dernières volontés, mais on n'a pas eu le temps. Qu'est-ce qu'il a dit pour ses ordres ? Ramener les clés, je crois. Et ce serait pas mal. Et pas de blattes, s'il vous plaît. Non, pas de blattes surtout. Alors, puisque nous sommes à deux clés uniquement, je pense que pour cette épreuve-ci, Darius, plus que jamais, l'équipe compte sur toi. Ah bah oui. Bon, tu as du talent. Merci. Tu es beau gosse. Tu as chaud. Ça, c'est surtout une très bonne raison pour aller dans l'épreuve qui vient maintenant. Quand je dis dans l'épreuve, c'est pas pour rien. Attention, Darius. C'est parti. Allez, encouragez-le. Qui passe la petite corde peut-être qui est à ses pieds. Voilà. Bien, pas mal du tout. Voilà. Qui renverse pas tout à côté surtout. Bravo, c'est parfait. Voilà, très bien. Pas mal. Trop fort, Darius. Ouais, mais là, du coup, on va pas tellement rigoler. Voilà. C'est bien ça. Tu passes la petite corde tranquille. Super son super. Génial. On a renversé un peu. Attention. Pense à ton fils. Pense à ton fils, ton et Patrick. C'est exactement ça. T'as la technique. Nickel chrome. Allez, bravo. Les remontes.
Monsieur Robert, il va te faire suger. Tu t'es mangé sur les seaux. Il est pas tombé une fois. Attends, et là, je suis bloquée. Regarde, 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 Non mais je la voulais. Et on a bien vu, on a bien vu, ça a marché. Notre petit cri de guerre. Ah, merci. Oui. Allez, pour le cri de guerre. Merci qui ? Merci qui ? Merci Corbaya. Et le fiston de Darius va être très fier. Ah oui. Le fiston de Darius. Quel âge il a ? 10 ans. 10 ans. Attendez sur cette. Et il l'a voulu. C'est vrai en plus ? Bah c'est bien tombé, bah c'est bien joué. Félicitations. Bravo. Anne-Gaëlle. Oui. Je m'adresse maintenant à Patrick et à l'homme de télé. Oui, j'ai organisé une rencontre au sommet entre deux monstres sacrés du petit écran. Patrick d'un côté, le père Foura de l'autre. C'est bien qu'il y avait une sorte de visite. Je t'attends Patrick avec un patient. Moi aussi. Il s'y passe partout, on le retrouve juste après. On y va. On n'arrête pas de courir. Patrick Poivre d'Arvor. Oh, c'est long, ça. C'est trop long. PPDA ? Ben oui, mais pourquoi personne n'y a pensé avant ? Oh, c'est bien mieux comme... Patrick, mon petit Patrick. Bonjour, mon père. Bienvenue en Vigion. Comment ça va ? Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. J'ai beaucoup, beaucoup de considération pour vous. Savez-vous ? J'espère que vous en aurez autant après. Même pas essoufflé ? Votre énigme. Hein, vous n'êtes même pas essoufflé ? Ça va, ça va. Sportif, journaliste, écrivain, homme de lettres, l'homme le plus populaire en France. Non, mais dites-moi, vous voulez me faire de l'ombre ou quoi ? Là, c'est difficile, il y a du soleil, il fait beau. Bon. Bon, si je vous en servais une petite. D'accord. Oui, vous êtes concentré ? Bien. Voici l'énigme. Il lui arrive d'être à terre. Dans le plat, on le met par paire, à la lettre parfois collée, il est moqueur devant le nez. Qui est-il ? Je répète, il lui arrive d'être à terre. Dans le plat, on le met par paire. À la lettre parfois collée, il est moqueur devant le nez. Le pied. Qui ? Oui, le pied de nez. Pied de nez, pied à terre. Allez, proposez. Il y a des... Allez, associez les idées à la lettre parfois collée. Il est moqueur devant le nez. Oh. Alors, aucune réponse ? Le rat ? Non. Non. Laura, pourquoi Laura ? Laura musqué, voilà. Ah, mais c'était... C'est un moqueur. Le pied ! Le pied, non. Aïe. Un pied à terre est un logement qu'on occupe occasionnellement. Mettre les pieds dans le plat, l'expression, bien sûr. Et puis, l'expression aussi au pied de la lettre signifie avec exactitude ou au sens propre. Et un pied de nez, une moquerie, une impertinence. Désolé. Patrick ! Désolé. Oh non, monsieur Moïse. Sa Virginie sera pas seule. Tellement, voilà. Il faut voir partir avec la clé. C'est gentil. Oh, ça m'a fait grandement plaisir, en tout cas. Merci. Allez. On continue, hein. Allez, Patrick. Allez, je vous suis, je regarde tout ce que vous faites. Allez. Bien. Là, on peut dire qu'il n'a pas pris son pied. Le père Foura est d'humeur badine. Mais on a vu. C'est peut-être mon influence, vous savez, je le trouble. Ça j'ai vu. On c'est l'a pour vu. Ça qu'il a mal articulé la définition, je l'ai mal entendu. Sinon, j'aurais des briques tout de suite. Mais nous n'en doutons pas un seul instant. Et tu sais qui avait trouvé briques immédiatement ? Hein ? Mais oui. C'est Sophie. Absolument. Et Sophie, à ce titre-là, j'aimerais maintenant que tu t'approches de moi. T'inquiète, ça va bien se passer. Tu ne m'aimes pas, c'est pour ça que tu fais ça. Tu m'aimes bien un peu ? Oui, un peu. Bon, ça va, ça me rassure. Bon, alors, que de chemin parcouru depuis Miss Limoges, puis Miss Limousin, jusqu'à ce poste de première dauphine. Alors, ce que je te propose, eh bien, c'est de voir qu'en fait, il y a encore bien du chemin à parcourir, jusqu'à la clé, bien sûr. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Sophie. Allez, Sophie. Allez, vas-y, courage. Vas-y. Les deux mains.
les deux mains, tu te souviens? Une main dans chaque peau. Voilà, bravo. Vas-y. Elle est toute seule. Mais elle nous a dit que si on criait trop fort, elle entendait. Vas-y, Sophie. Tu vas la guider. Voilà, une main dans chaque peau, elle a compris. Il faut bien brasser jusqu'au fond des peaux. Dis-lui d'aller jusqu'au fond des peaux. Allez, bien au fond, faut pas rester en surface. Jusqu'au fond des peaux. Dis-lui, il n'y a rien à craindre, Sophie. Allez, Sophie, t'inquiète pas. Il y a pas d'émotion, il n'y a rien dedans. Dis-lui, rien, c'est pas dangereux du tout, c'est que des émotions. À part les jouets. Ah bah oui, c'est de pour elle. Voilà, Suti est presque. Bravo, Sophie, bravo. Allez, elle a fait la moitié, là. Tu as fait la moitié. De l'autre côté, Béatrice, dis-lui. Elle a fait tous les pots, là. Elle a pas les mains ensemble. Voilà. Allez. C'est du jus de mousse. Super, vas-y. C'est rien, c'est rien. Tu n'as rien à craindre. C'est rien de grave. C'est juste des sourires. Allez, elle a encore le temps, il reste quelques pots, elle va la voir, j'en suis sûre. Tu vas la voir. Tu as ton temps. Tu as encore du temps. Elle n'a pas de pots. Hein. Oh là là, allez, où est-ce qu'elle est cette fois? Ça va être la dernière jardin. C'est horrible. Allez, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Non. Alors, Ça nous fait combien de clés, Passepartout? Tu as montré, mais moi je suis perdue. 4 clés. Magnifique. 4 clés, c'est pas mal, mais il en faut encore au moins une pour que ça s'entrouvre. Et on va en avoir besoin plus que jamais tout de suite. Donc on suit Passepartout. On file à la prochaine. Allez, on y va. Sophie. Et vous aviez trouvé pour l'énigme? Alors regardez, sur 10 cellules, 10 épreuves, 4 clés, parce qu'il est en train de la libérer. Voilà, 4 clés, ça, comme je vous disais, ça ne suffit pas. Mais effectivement, vous avez remporté tout à l'heure l'épreuve collective, ça sera encore une chance en plus pour gagner la clé manquante, ou peut-être encore deux, ce serait pas mal. Deux ou trois. On y va? Allez. Putain, t'as jamais de courir. C'est pas vrai. D'accord. C'était une petite boucle. Oui, mais enfin, tu sais, de tout là-bas, quand même, ça fait une plus grande boucle. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait réussi à vous amener jusqu'à moi, parce que déjà, qu'est-ce que tu fais? Sophia, approche-toi. Est-ce que tu aimes Picasso? Mais bien sûr. Tu sais ce qu'il disait, entre autres choses. Il disait, je ne cherche pas, je trouve. Bien sûr. Alors, tu vas être la Picasso d'aujourd'hui. Tu vas nous trouver la sortie et la clé. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est qu'à partir de maintenant... Oh, tout ce qu'elle aime. Oui. Voilà. Elle espérait. Elle nous a parlé que de ça. Je t'avais dit de ne pas en parler, Patrick. À partir de maintenant, tu es donc prisonnière. À toi de faire le nécessaire pour nous revenir entière. Okay. Attention. Allez, Sophia, tu vas à fond, hein. Ouais, Guinta, dès que t'es là, à mon avis, vas-y. Voilà. Et là, c'est à fond la caisse, hein. Alors, à fond la caisse dès le départ, si tu peux. Elle oriente bien la menotte en fonction des obstacles qu'elle va rencontrer. Tu orientes la menotte. Tes menottes. D'accord. Attends, mais là, comment alors, il y a des vannes à dévisser, elles sont sans. D'accord, il y a des vannes à dévisser. Il y a des vannes, c'est Annie. Attends. Non. Virginie est très bonne. Voilà, ça marche. Allez, faut pas perdre de temps, c'est un peu rouillé par endroit, mais la clé, elle est quand même à l'autre. Il faut dévisser. Quelle est la surface de la flèche? Faut dévisser, dans le sens de la flèche, vas-y. Voilà. À fond. Allez, plus vite, faut vraiment que tu fonces. Tu y ailles, tu y ailles, à fond. Plus vite. Voilà, c'est bien, c'est bien. L'ouverture de la menotte, parfait. La clé est au bout du réseau de tuyaux. Je suis bien sur le temps, hein, y a pas de soucis. Alors, vous avez compris que c'est une cellule à prisonnier, elle a besoin vraiment de cette clé pour se libérer et pouvoir ressortir. Ok. Dans le temps imparti. Vas-y, cours. Faire parler le rythme. Là, cours, en même temps, c'est tendu, mais... C'est une image. Mais en même temps, on avait bien pensé. Tu maîtrises très bien. Y a pas de... Non, là, ça, c'est pas grave. Si ça se dévisse pas, tu orientes bien l'ouverture de la menotte. C'est à peu près la moitié du tort, hein. Par où ça fait, là? Pas tout à fait la moitié. Je suis coincée. Allez, Sophie, te décourage pas, c'est bien. Là, je reviens. Tu reviens? Non, alors il faut pas. Non, pas en marche arrière, hein. Alors, il faut passer l'obstacle au-dessus de toi.
ça. Ah, voilà. Oui, oui, oui. Oriente bien ta menotte. Si ça se dévisse pas, c'est qu'il faut orienter la menotte. La petite menotte. Ah, perd du temps là-dessus, là, c'est dommage. Ah, il faut vraiment qu'elle fonce après ça parce que... Alors attends, là, ça tourne. Ah, ça tire, c'est... Ah oui, bien qu'elle va être... Sans dévisser, non, oriente l'ouverture de ta menotte, Sophia. Voilà, ok. Alors maintenant, faut speeder. Voilà, et maintenant, essaie d'aller vite. Allez, le accélère, public, accélère. Allez. Accélère tant que tu peux. Très vite, très vite. Non, elle n'a pas besoin de faire chemin inverse, mais il faut qu'elle se libère pour revenir, sinon elle reste prisonnière. Et t'as plus que 10 secondes. Il n'y a plus beaucoup de temps, Sophia. Regarde, terminé. Dites-lui que c'est trop tard. Sophia, stop. Terminé. C'est terminé, malheureusement. Tu es prisonnière. Passepartout a verrouillé la porte. Je suis navrée, Sophia. Patrick, c'est pas grave. Bon, écoute, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir rejoindre Rodolphe en prison. Oui. Il s'ennuie sans doute un petit peu. Est-ce qu'il y a des blattes avec lui? Et puis, la boule va venir te chercher, t'inquiète pas. Et puis, bah, nous, il faut qu'on ait d'autres clés, là. Allez. Allez. On y va. J'y ai cru. Ça va, j'ai fait ce que j'ai pu en même temps. Mais oui, moi aussi. Enfin. Et malheureusement, Sophia est restée prisonnière du fort. Très nombreux, là, quand même. C'est-à-dire que le groupe commence en effet à se réduire. Est-ce qu'il reste les meilleurs? C'est ça. Ah non, pas douter, bien entendu. C'est la sélection naturelle de Darwin. Mais on ne peut pas prendre la fille en vert avec et... nous. Si ça ne tenait qu'à moi. Oui. Ah bah d'accord. Très bien. Merci. Je suis prêteur, c'est tout. Oui, bien sûr. Nous allons maintenant voir ce qu'il en est de votre capacité d'observation. Quand je dis vous, c'est parce que Virginie et Patrick seront ensemble pour cette épreuve. D'abord, petit test oculaire pour Virginie. Patrick, je sais qu'il en a eu de lynx. Attention. Combien? Deux. Dis donc, étonnant. Mais je suis très... Ah oui, non, mais ça me fait peur, même. Dites-le au perfoura, s'il vous plaît. Dites-le au perfoura. Attention. Allez, vous ici. Je vais avec Virginie. Patrick. Attention. Allez, la cinquième clé. Hein. Regardez bien, c'est l'épreuve du bon. Là, c'est vraiment de l'observation. Mais nous, on a rien à dire. Il faut récupérer trois petites clés qui vont leur permettre d'ouvrir les cadenas au-dessus d'eux. Et pour récupérer la vraie grande clé qu'on attend patiemment depuis tout à l'heure. À votre gauche, ouais. Non, attention, il est très fort. Hein. Ouais, bien. Je savais que c'était celle-là, mais je me suis dit, il y a un piège. Vous pouvez crier les conseillers, hein, mais... Là. À gauche, ouais, là. Ouais. Voilà. Ah, bien joué. Il est rapide. Ouvert. Il faut... Première clé. Il faut ouvrir, hein. Il faut ouvrir. Voilà, premier cadenas. Donc, il y a trois petites clés pour récupérer la bonne. Je l'enlève. Je mets là. À droite. C'est à droite. Au milieu. Non. C'est la gauche, ouais, c'est ça. C'est ça. Trop bon, trop fort. Il faut pas de logique là-dedans. Il faut que de la chance. J'ai le temps, pour l'instant ça va. Laquelle, les copains? À gauche. Celle-là. Voilà, hop. Deuxième cadenas. Allez, plus qu'une. C'est bien ça. On est dans les temps? Oui, parfait. Okay. Aidez-nous les copains. Non, perdez pas trop quand même. On a peur de vous induire en erreur. Il est trop fort. A priori. À votre droite. Allez, tu nous dis, Darius, parce que c'est trop fort. On a encore du temps, vous inquiétez pas. C'est là. Ouais, bah là. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. C'est la clé, ça. Il a fait tout. Là. Là. Ouais, c'est là. Là. Hey, allez. Oui. Allez, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Bah, il faut qu'il récupère la clé avant la fin de la clepsine, mais ça me paraît plutôt bien, logiquement. C'est-à-dire. Voilà. Ah, il récupère, il ressort. Oui. Super, merci. Bravo. Et bravo. Et ben voilà. C'est formidable. Merci beaucoup, Patrick.
Qu'est-ce que c'est ? Dans le temps, ça a sonné, ça veut dire que c'est la fin des 45 minutes de jeu, la première étape de jeu pour récupérer des clés. Mais je vous rappelle que tout à l'heure, vous avez quand même brillamment remporté l'épreuve collective. Oui. Ce qui veut dire que vous avez encore une épreuve bonus hors temps qui va peut-être vous permettre de récupérer une sixième clé pour avoir une belle ouverture de porte, ce qui serait plutôt bien. Alors, on y va. Bravo. De justesse. Fabriqué sur moi, nous avons réussi. J'ai réussi, j'ai apporté une clé. Voilà qui nous fait donc 5 clés. Eh oui. Joli. Ça saute. Oui, je sais, je l'ai fait très vite. Oula, le temps des circuits. Alors maintenant, nous sommes donc hors temps. Il y a une petite odeur. Chronométré. Oui, excuse-nous, ce n'est pas nous. C'est pas toi. Oui, ce sont en effet les tigres qui sont ici et qui vont bien nous permettre de raconter une jolie histoire, l'histoire de la belle et la bête. La bête est là, sur ma gauche, et la belle. C'est pas moi, je sais déjà. Non mais il y a le choix. Je vais choisir la belle qui est ici présentement devant moi, c'est-à-dire Sophie. Sophie. Pour raconter cette histoire, rien de tel que de prendre ce fouet. Vous aviez choisi une épreuve bonus dite d'adresse. Rien de tel donc, avec cette canne, que de récupérer la clé en ayant le plus d'adresse possible. On va t'expliquer tout ça plus clairement une fois que j'aurai lancé le temps. À côté d'elle. Oui, Béatrice, vas-y. Non, j'en prie. Oui. Ce sera plus simple comme ça. De l'autre côté, dans la cage, elle verra mieux. Attention. Comment ça marche? Il faut qu'elle. 3, 2, 1. Il y a un crochet, regarde, juste au-dessus. Elle tire dessus, elle l'arrache, elle l'accroche au petit mousqueton. Et elle place la chambrière entre les barreaux pour récupérer la clé qui est droit devant elle, au-dessus des tigres. Profitez-en, ils sont calmes. Là, c'est vraiment de l'adresse. On y va tout doux, exactement. Pas y aller nerveusement. C'est pas mal, ça. Allez, elle a réussi à nous ramener deux clés, Sophie. Elle va nous ramener la clé bonus. Pas mal. Pas mal, c'est bien. Allez. Puis comme elle est très loin... Forcément, c'est plus difficile. Non, oh. Ça tremble un petit peu. Pas mal, c'est bien. Ça lui fatigue les bras. Ah, oui. Elle peut reposer un petit peu. Elle a le temps. Autant, oui, elle a plein de temps. Elle a plein de temps. Si elle veut reposer un petit peu, elle peut. Elle est tout près du but, là. Oui. Oh là là, presque. Il faut qu'elle soulève. Elle y est presque. Non, mais pas. Tu vas y arriver. Ok, elle respire bien, prend son temps. Oui. Non. Oh, dommage. Ouais, c'est trop. Oui, allez, soulève. Lâche surtout pas. Ne lâche pas. Fort. Allez, encore. Plus en hauteur. La faites pas tomber. Ouais. Bravo. J'ai cru qu'elle allait tomber chez les tigres. Tu vas redescendre. Laisse la chambrière. Voilà, tu poses tout ça. Eh ben, on aurait été mal si elle était tombée chez les tigres. Et au niveau t'en défendre, rien. Génial. Je te fais un bisou. 20 secondes. Super, vraiment bien. 10 secondes. Ce qui veut dire cycler. Et c'est une bonne ouverture de porte, cycler. Hein. Bravo. Ça monte à peu près là, donc vous pouvez éventuellement, après, en fonction de votre stratégie, réfléchir à des portées, à des choses, mais on verra ça tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on rejoigne Olivier, qui va nous faire un petit bilan de cette première étape de jeu. Et nos prisonniers, on va les récupérer. Eh bien, bientôt, justement, tu en parles, c'est maintenant. On y va. Très heureux de voir que cette équipe, eh bien, ma foi, même quand elle est réduite, réussit néanmoins à récupérer une ultime et sixième clé. Vous voyez comme quoi cette épreuve bonus, c'était pas du luxe que de l'avoir gagnée tout à l'heure avec l'épreuve collective. Bon, allez, un petit bilan, regardez. Voilà où nous en sommes. Six clés donc pour vous. Et maintenant, Passe-Muraille qui vient de placer sa flèche rouge sur l'autre symbole, le coffret. Ce qui veut dire que nous allons aller dans une salle où résident trois coffrets. Ces coffrets sont remplis de boyards. Seul un d'entre eux vous permettra d'en récupérer davantage tout à l'heure pour l'association.
récupérer surtout Rodolphe et Sophia. Ils doivent s'ennuyer un peu. Autre surprise, Terrain Bonheur ne vient jamais seul. Nous suivons maintenant Passepartout. Allez, c'est parti. On était tranquille. Ici, c'est toujours en mouvement. Les candidats ont maintenant la possibilité de remporter un coffret rempli de boyards. Afin de déduire quel est le bon coffret parmi les trois qui leur sont proposés, les candidats doivent remporter deux défis, chaque défi éliminant un coffret. Les candidats faits prisonniers durant la première partie de l'émission doivent relever les défis en priorité. C'est le gage de leur libération. Et voici donc les trois coffrets que je vous évoquais il y a un instant. Vous en avez donc un de couleur bleue, jaune et rose. Merci, mon fidèle assistant. Les couleurs des coffrets sont donc reprises sur ce triangle central, sachant donc que le seul moyen pour définir lequel des trois est le bon, c'est de masquer les deux couleurs correspondant donc aux deux coffrets leur. Et pour les masquer, ces couleurs, vous allez devoir récupérer des pièces de métal identiques à celles qui composent le centre de ce triangle, ces pièces de métal étant dans ce coffre et dans celui-ci, de part et d'autre de moi-même. Et pour pouvoir les ouvrir, eh bien, il vous faudra des codes. Et le code de ce premier coffre, pour le trouver, il faut réaliser un défi. Je vais d'abord demander à M. Chan de nous proposer à la réalisation de ce défi, Rodolphe. Ah. C'est plaisir de te retrouver. Rodolphe. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, on a cyclé. Il y a cyclé, là. Cyclé. Virginie, viens s'il te plaît face à Rodolphe. Tu vas donc, voilà, ici, près du code, Tu vas donc pouvoir épauler Rodolphe dans ce premier défi, monsieur Chan. Alors, le principe du défi est le suivant. Récupérer des chiffres qui vont composer le code. Les chiffres devront être placés... Comme ça, clic, 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 clic. Oui, clic. Certes, mais dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant. Sois vigilante par rapport à ça. Quant à toi, Rodolphe, le seul moyen de donner les chiffres à Virginie, c'est de plonger la tête et avec la bouche, de récupérer les flotteurs un à un, afin de, en les tirant, révéler les chiffres correspondants. Bonne chance à toi, rien de plus simple. Allez. C'est parti. Carrément. C'est un peu violent, ça fait. Virginie, est-ce que tu as regardé? T'as regardé, Virginie? Non, il faut que je regarde. Ah là là, oui. Alors, oui. C'est 8. Alors, 8. On a de la tête pour l'instant. 8. Ah, sans hésiter. Hein. Tu l'as vu? Oui, ah. Déjà vu. Hein. Bravo, c'est mon cœur, on a réussi. Je suis libre. Tu peux te remettre en effet, voilà, les pieds à terre. Monsieur Chan, libérez Rodolphe. Je lui place les pièces ici. Oh, bravo Rodolphe, parce que dis donc, il fallait y aller, hein. Bah, c'est moi, c'est ça. C'est un bon. Et c'est maintenant le deuxième défi. Attention, Monsieur Chan, libérez Sophia maintenant. D'être totalement libéré, c'est au moins de tenter de réaliser ce défi que tu vas réaliser avec Patrick. Patrick, s'il te plaît. Pas du lien. La saluer. Reste là, reste oui, pas du coffre. Il veut pas tellement que je sorte. Hein. Qui ça? Il est désagréable. Mais pas du tout, au contraire. J'ai peur qu'il m'arrive des trucs. Tu me troubles. Monsieur Chan, révélez le défi. L'idée est la suivante. Il y a une série de chiffres à additionner. Pour les récupérer, ces chiffres, tu vas devoir d'abord dévisser les palais qui se trouvent ici. Je peux commenter? Non, c'est pas toi. Ce n'est que Sophia. Et toi, Patrick, tu procéderas à l'addition, sachant que cette addition te donnera le code final. En fait, c'est comme ça que ça va fonctionner entre vous deux. D'accord? Sophia, attention, parce allez, que Sophia. Le temps est compté. Allez, c'est parti. Ça se dévisse. C'est rien du tout. C'est parfaitement inoffensif. Tu peux tenter avec les deux mains, hein, ça irait plus vite. Vas-y. Très bien. Elles adorent ça. C'est un faux, c'est un robot, Mais pas très vite. Plus tu t'énerves et plus elles sentent ton stress. C'est ça qui vient calmement, Sophia. Tranquille. C'est très bien ce que tu fais là. Refais comme tout à l'heure là. D'accord. Très bien, regarde, elles sont calmes là. Tu peux y aller.
Mais leur envoyez pas sur la tronche. Oui, mais attends, oui, Patrick obligé. A raison. Voilà. Je suis obligé parce qu'ils sont dessus, là. Voilà, très bien. Mais il n'y a pas de chiffre. Si, 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 tu vas tirer la plaque après. Ah, d'accord. D'accord, je le vois. Voilà, tu vois. Tire première plaque. Ok. Descends. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Je peux. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, il n'y a rien. Prends-la. Je peux regarder? Je t'en prie. Voilà. Je peux le remettre. Oh, tu peux la remettre, oui. Voilà, regarde. Merci, toi, regarde, Patrick. Non, mais non. C'est pas grave. Fais pas trop, non. Patrick, il est super. Voilà. Voilà, ce que l'on prend, c'est vraiment sympa. Alors, là, tu vas le mettre comme ça. Là, j'ai pas beaucoup. Donc, il y a pour le moment 572 à additionner à 2640. Commencez à additionner. Vous pouvez l'aider. Il est tombé par terre. Patrick, perd pas de temps avec les blattes. Il faut commencer l'addition. Fais l'addition si tu veux que je sorte. Vite. C'est la plus dure, celle-là. Fais le calmement. Faire une opération intermédiaire pour gagner un peu de temps. Pour pas faire tomber les bêtes à l'extérieur. 263. 500. Allez, l'addition. Tu vois quelque chose ? L'addition. Oui, parfait. 212. Très bien. 312 et... Alors, écoute, 3, 2, 5, et là, ça nous fait 6, 13... 3475, hein, c'est bien ça que je... Et il faut le faire dans l'ordre croissant. Attends, tout dans l'ordre croissant. Alors, 3400, hein. 3000, et puis après, 3, 4, 5, 7. J'espère que c'est bon. Ouvre vite le coffret pour voir... Bien joué. Bravo. Bravo. Tu peux les prendre, Patrick. Je peux les donner à ma copine. En guise de remerciement. Je vais lui mettre une toute blague. Non, ne touche pas ça. La cerise sur le gâteau. Monsieur Chan, libérez Sophia, s'il vous plaît. Patrick, tu peux placer les plaques. Virginie, tu vas te trouver maintenant face à Patrick. Patrick, reste près de moi. C'est vous deux, et je dis bien uniquement vous deux, qui allez maintenant manipuler les plaques de métal afin de trouver leur bonne place, de manière à couvrir donc les deux couleurs des coffrets. L'heure, à mon signal, car ce sera bien sûr sous le couvert d'un chronomètre qui se met en marche maintenant. Allez. Surtout ne mélangez pas vos plaquettes, chacun les siennes, sinon vous allez vous éparpiller et perdre beaucoup de temps. Là, ça allez-y calmement. Non. Ok. J'en ai une. Première une seule Patrick. Place par plaque. Hein. Essayez donc, toutes les positions. Et regarde bien les positions. Vous pouvez les retourner aussi. Vraiment recouvrir les deux couleurs. Il y a déjà un segment de temps. Elles sont toutes bonnes, hein. Elles ont toutes leur place quelque part sur le triangle. Attention parce que le temps file. Attention au temps derrière. Ok, pas mal, pas mal. C'est bon ça ? Non, c'est très bien. Non, c'est pas bon ça. Ah non, il y en avait un dessous. C'est pas dessus. C'était comme ça, non ? Non. Ok. C'est fort. Ok. C'est fort. Dans tous les sens. Si vous bloquez sur une plaque, vous en prenez une autre. Pour chaque truc, en fait. Voilà, tu tournes dans ce sens-là, effectivement. Deuxième segment de temps éteint. Voilà. Trois segments. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. J'y arrive pas du tout. J'ai une mêlée dans tous les sens. Essayez dans tous les sens. Vous pouvez l'aider, hein, vous pouvez les guider. Hein, vous pouvez pas le faire à leur place, mais si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas. Patrick lui avance très bien. Encore deux segments. Attention, plus que deux segments de temps. Regarde celui-ci, celui qui est là-bas. Celui-là. Prête-toi avec la pointe devant toi. Non, tu viens d'en mettre un au-dessus. Voilà, soulève. Peut-être au triangle suivant, Patrick, tu peux. Virginie, tu vois, tu as deux segments l'un sur l'autre. Retire celui qui est au-dessus, prends celui qui est en dessous. Voilà, et tu le mets là, avec les trois ici. Dernier segment. Jaune, il y en a trois qui font le point. Alors, on met là. De l'autre côté, encore de l'autre côté. De l'autre côté, la pointe vers toi. Encore, voilà. Non, tourne encore. Voilà. Bien. Attention, hein. Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaques. Non. Voilà. Celui qui est posé là-dessus, là, en jaune. Oui, allez. Il faut que ça rentre là. Est-ce que ça rentre ? Oui. Le couleur bleu est désactivé. Attention, c'est terminé. Je suis désolé. Patrick a réussi. Les couleurs, déjà, c'est bien. Et Virginie, malheureusement, n'a pas été jusqu'au bout. Je ne sais plus à rien, c'est terminé. C'est terminé. Ce qui veut donc dire que Patrick nous désactive le coffret bleu. Et c'est déjà pas mal. Il vous en reste deux. Je vous retrouve dans un instant pour les aventures.
Bien joué. Bon, alors ici, quand on multiplie les coffrets, on divise les chances de gagner. C'est un petit peu le problème. Là, vous avez une situation qui n'est pas super confortable. Deux coffrets, il faudra trouver le bon tout à l'heure après la salle du trésor pour récupérer les boyards à l'intérieur. Encore faut-il trouver les bonnes clés qui ouvrent le bon coffret. Écoutez, c'est déjà pas mal. On va les confier à Passe-Muraille. On retrouvera tout ça tout à l'heure. Tu les mets bien au chaud, hein, tu ne les perds pas en route. Et puis, ce que je vous propose, au lieu de faire refroidir nos semelles, là, c'est qu'on y aille directement à la prochaine étape, celle des aventures. On y va. Sophie, je te laisse passer. Allez. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur donne la possibilité de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot code du jour nécessaire pour déclencher la chute du trésor. Nous voici maintenant au début des aventures. L'occasion pour l'équipe de récupérer un maximum d'indices. Et première d'entre elles, puisque le signal nous est donné, c'est une aventure particulière, bien sûr, qui est proposée à Sophie. Il va falloir que, le long de ce filin, elle évolue jusqu'à la première cartouche qu'elle rencontrera, la seule d'ailleurs, renfermant donc un premier indice. Bonne chance à toi, Sophie. Il y a un peu de vent, mais heureusement, tu as le stabilisateur qui va te permettre de rester en équilibre. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Sophie, il faut qu'elle se concentre bien. Voilà, super, très bien, très très bien. Elle y va sans hésiter. Parfait. Continue. Parfait. C'est bon. Fixe bien la cartouche. Non, c'est bloqué. Il faut passer. C'est exactement pareil que ce que tu viens de faire. C'est pareil. Non, je peux pas. Tu l'as fait très très bien là. Non, je t'assure que c'est exactement la même chose. Je n'arrive pas, t'es bloqué. Il faut que tu essayes un petit peu. Je sais que t'as le vertige, c'est pas simple, tu es haut. Essaye de le faire pour l'association que vous êtes venu défendre aujourd'hui et d'aller un tout petit peu plus loin. Tu vas le regretter, si tu le fais pas, tu vas repartir en prenant le bâton en te disant mince, j'aurais dû essayer un peu plus. Écoute, Sophie, prends tout le temps dont tu as besoin. Zéro risque. Tu ne risques rien, tu es bien harnaché. Bien. Essaye quelques pas pour te mettre en confiance. Le plus difficile, c'est de passer ici le petit plongeoir. Faut pas regarder en bas et bien garder la cartouche en vue, la fixer et avancer calmement. On n'a pas de joker. T'es sûr que tu peux pas le faire. Elle est bloquée. Et ouais, psychologiquement, c'est. Et si je te pousse? Bah, tu as tenté quelques pas et c'était bien jusque-là. C'est dommage. Puis là, de toute façon, on a perdu évidemment beaucoup trop de temps. Et même si tu y vas maintenant, je crois que malheureusement, la cartouche risque d'exploser avant la fin du parcours. T'es sûr? Oh, c'est dommage. On peut pas la remplacer, non? Pardon, tu disais? On n'a pas le droit de la remplacer. Mais non, vous pouvez. Tout ça explose. C'est fini. Bravo, mon cœur. C'est pas grave. Tu peux descendre du câble. On va te déséquiper, t'inquiète pas. En tout cas, bravo Sophie, quand même, d'avoir essayé. Et c'est tout ce qui compte. Ici, c'est ce qu'on veut, c'est au moins voilà, d'essayer et de tenter. T'inquiète pas. Allez, on file à la prochaine aventure. Viens avec nous, viens. Ça nous fait en tout cas une séquence émotion assez forte, il faut bien le dire. Tu as tenté. C'est important d'essayer. Tu l'as fait. Tu as tenté. Bon, allez, on ne va pas se laisser déstabiliser par ça. On va maintenant envisager une autre possibilité de récupérer un indice. D'abord, avant toute chose, je dois proposer à Rodolphe de suivre Passe-Temps pour te préparer. Oui, mais tu vas suivre aussi. Merci. C'est pas sûr qu'il dira merci après ce qui s'est passé. Vous verrez bien. Alors ici, Virginie, tiens, puisque tu es là. Virginie, puisque tu sembles avoir froid. Virginie, je vais te réchauffer. Enfin, moi, c'est une
façon de parler. Et ta dernière pièce, c'était bien le titre de ta dernière pièce. Tout le bonheur et pour nous, tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir est pour nous, en effet, de te voir entrer dans cette cellule, tu vas voir. Et, enfin, pour nous, surtout pour toi. Je croyais que tu étais un ami. Et jamais je te ferais d'aligot. Elle fait très bien l'aligot, il faut bien le dire. Non, sincèrement, mon amitié, je l'espère, ne sera même pas ébréchée par ce qui t'est proposé. Rassure-toi, il faut simplement trouver un code. C'est pas grand-chose. Voilà. Ça, c'est des araignées, les machins, les trucs, c'est là. T'es bardé. C'est au bout du couloir, vous pouvez l'encourager. Le petit couloir, bien sûr. Encourage-la, je crois qu'elle va en avoir besoin. Ah, oui. À travers la porte pour qu'elle t'entende bien. Ce sont des toiles d'araignée. Oui. Entrez là-dedans. La petite porte qui est devant. C'est les bestioles. Voilà. Voilà. Entrez. Allez, courage. C'est une fausse, celle-là. Tu leur parles. Alors repérez voilà. Bien de votre côté si vous voyez bien. Pas mal. C'est entre les deux. Ouais, voilà. Bravo. Bravo. Exactement. Alors est-ce qu'elle a un code sous le ventre déjà? Regardez bien, dès que vous en repérez une avec un code, vous la guidez. Là, l'autre, formidable. Super, elle a un code. Ouais, celle-là, je crois qu'elle en a un. Ouais, elle en a un. Très calme. Elle en a un. Bravo. Voilà, écoutez. Attends, alors, faut que je vous le lise? Oui. Il n'y a rien. C'est pas grave. Merci, Olivier. Non, il n'y a rien. Non, mais il y en a d'autres, forcément. Oui, mais il y a des petits papiers. Juste à ta gauche. Devant toi, au-dessus, en bas, en dessous, voilà. Délicatement, pour pas lui faire mal, tu fais glisser la petite paille sur l'abdomen. C'est super ce que tu fais, bravo Virginie. Alors écoutez bien. 25 de points, ce qui veut dire que c'est le début. Je suppose que le reste est là. Je suppose qu'il faut que tu ouvres le coffre peut-être. Il y a un coffre devant toi Virginie, c'est ça? Moi, je suis impressionné. J'hallucine. Ne bouge pas, ne t'inquiète pas. On la laisse gérer. Hein. Qui me rend totalement scrupuleux. Ce ne sont jamais que des scorpions. Non, je l'ai trouvé. Il n'y avait rien. Ne t'inquiète pas. Il n'y avait rien. Il y en a deux. Il lâche. Excuse-moi. Attends, je vais juste faire comme ça. Voilà. Ne t'inquiète pas. On va faire ça tous les deux tranquilles. Voilà. Ok. Il faut qu'on ait 37. Quoi? 25 et 37. 37. Ok, tu peux ressortir, Virginie. Tu peux ressortir. Sauf si t'as sympathisé, bien sûr, c'est toi qui vois. 25 et 37. On aligne bien. Attends, pas de temps sur l'ouverture du... 37. Le 3, c'est après le 2. Ouais. Allez, vite, avant que ça... Ça pète. Oui, bien joué, bravo. Voilà. Mais attends, mais c'est juste hallucinant. J'adore les animaux. Même ceux qu'on écoute, ils se le rendent bien. Carrément. Incroyable. On veut juste pas leur faire mal. Ben écoute, c'est vrai que quand on garde ça en tête, mais quand se mettre à leur place. Quand tu leur parles, ils m'ont aidé. Ça c'est bête, hein. Ouais. Mais ils se sont pas. Enfin, ils sont restés vachement calmes. Elles sont. Puis toi, t'as pas stressé, donc forcément, elles se sont pas énervées, quoi. Bah, félicitations. Bravo. C'est une première carte. C'est un premier indice qu'on ouvrira tout à l'heure, parce que pour l'instant, on j'ai peut pas. J'ai un peu le cœur qui bat. Merci, Guy. Merci, Guy. Remets la carte tout ça, la sainte. Bravo. C'est bien joué, c'est bien joué. Je vais rendre la barbe du père Fouras. Tu avais fait le décor. Bonjour. Allez, on y va. Pardon, excuse-moi, j'ai donné ça. Allez, une deuxième cartouche. Il vous en faut beaucoup des cartouches pour trouver le mot code. Hein. Allez. Pour l'instant, une seule cartouche. J'espère. Venez rejoindre Rodolphe. Rodolphe, une bonne nouvelle. Vous avez un indice. Grâce à Virginie. Ah, super. Le deuxième indice, il est ici, tu vois. Ouais, ouais. Et malheureusement, pour toi et pour vous tous, pour l'avoir, il va falloir trouver un code. Ce code, c'est bizarre quand même, il est suspendu là-bas. Comme principe, la chaise instable. Mm-hmm. Et fais-moi confiance, ce qu'il y a de bien avec une chaise instable, c'est que ça donne pas envie de rester assis. Ça, c'est plutôt pratique. Ouais. Et surtout dans le cadre de cette aventure où, très rapidement, une fois arrivé à la même position que le code, tu vas devoir donc sauter de cette chaise sur le trapèze. Donc je monte ensuite sur la chaise. Voilà. Et je saute pour attraper sur le trapèze. Ouais, voilà. D'accord. Hein? Et d'un seul bras, tu te retiendras à un moment donné pour lâcher l'autre afin de te saisir du code. Ouais. Avant que tout cela ne commence, j'aimerais que... Faites-toi. Ah.
Oh, ça fait mal? Non, non, ça va. Sophia, tu suivras passe-temps, reste pas maintenant. Reste avec nous pour l'instant. Non, mais tout à l'heure, tu suivras passe-temps pour aller rejoindre le père Foura en vigie, d'accord? Ah. Reste avec nous pour l'encourager. Attention, Rodolphe. Allez, Rodolphe. Rodolphe, on t'aime. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Rodolphe. Allez. Par étapes, tranquillement, tu regardes pas en bas. Vas-y. Trouve la position là. La plus confortable, si on peut dire. Alors, essaye de bien caler la chaise vers l'avant pour qu'elle soit moins instable. Tu vois, si tu la fais pivoter comme ça, voilà, parfait. Tu gardes cet appui-là. Mais elle bouge pas. Alors, si, si, pousse-la un petit peu. Voilà, très bien. Il faut la faire glisser doucement. C'est parfait ce que tu fais. C'est très bien, très bien. Voilà, regarde bien, bien devant toi. Ça c'est le plus difficile, c'est vraiment les premiers pas. Tranquillement, comme ça. Là on sent le danseur. Eh oui, il a décidé. Parfait, c'est bien. Vous me direz quand j'arriverai. On va te guider. Dès que tu seras sur ce trapèze. Voilà, là t'as. Bravo, voilà. Ça fait plus que la moitié. Parfait, continue. Merci, rien, merci, rien. Il doit te rester moins de 2 mètres. C'est parfait. Super bien. Génial. Il va très vite. Encore. Encore un petit peu. Encore, là. Guidez-le bien. Sois bien dans l'axe. Encore un peu. Encore. Encore, ouais. Encore un mètre, oui. C'est super, Rodolphe. C'est très bien ce que tu fais. C'est encore là? Oui, encore. Encore un petit peu. 60 cm. Encore là? Ça me paraît pas mal, ça. Ok, alors là, on y va tout doux, Rodolphe. Ok, là, je suis bon. C'est parfait. Va pas trop vite. Calmement. T'es peut-être un peu loin, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Est-ce qu'il est bien face? Peut-être recule-toi un peu, Patrick, pour le guider. Bouge pas, Rodolphe, c'est bien. Oui. On va te dire ça. Non, c'est bon, je suis bon. Essaie de reculer un petit peu. C'est bon. Je sais pas si t'es bien dans l'axe. Moi, ça passe, je recule un tout petit peu. Recule un petit peu. Rodolphe, oui, oui. Si tu peux reculer un petit peu. Je peux pas. Ok, alors tu sauras un peu sur ta droite. Oui, je vois. D'accord. Ok. T'es un peu décalé. Tranquillement. Tranquillement, garde l'appui. Oh ! Ça ? Allez. Putain. Vas-y. Très bien, super. Là, toi, tes deux mains sur le dossier de la chaise, garde bien l'appui vers l'avant. Redresse-toi tout doucement. Non, ne te tire pas, le câble. Tiens-toi. C'est bon. Ne tire pas sur ta sécurité. Ne tire pas sur ta sécurité. Reste. Pardon. Fixe bien. Fixe bien le code. C'est bien, c'est parfait. Tu te stabilises. Non. Dommage. Oh putain. Écoute, bravo, franchement. T'as pas hésité. C'est vraiment dommage, mais tu t'es un petit peu précipité. C'est dommage. Dis Sophie. Oh. Tu t'es un tout petit peu trop précipité. C'est toi qui m'as donné du courage avec vu ce que t'as fait. De toute façon, c'était perdu, la cartouche a explosé. Oh, hey, sois pas déçu, franchement, ce que t'as fait, c'était magnifique. C'est, bravo, Rodolphe. Bravo. Un peu trop de précipitation, malheureusement. Sophia, tu suis passant, tu vas à la DJ. Tu nous ramènes une cartouche surtout. Oui, allez. Sophia. Et Rodolphe, on te laisse te déséquiper tranquillement et puis tu nous rejoins à la prochaine aventure, ça va? Tout à l'heure, mon chat. Est-ce que tu t'es amusé? Je me suis moyen. J'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait faire? Allez, on se rejoint à la prochaine aventure, on y va. Suivez pas ça. Ah ben, je l'ai eu du premier coup, moi. Bah, Sophia. Allô. Oh, bah non seulement vous êtes comique, mais en plus vous êtes jolie. Oui, c'est sympa. Oh, bon, bah alors, écoutez, vous savez pourquoi vous êtes là? Bah oui. Parce que là, j'ai regardé, là, tout est sur vos épaules, là. C'est super dur, là, on n'a pas beaucoup de cartouches. C'est le moment d'avoir du plomb dans la tête, là. Bon, allez, vous êtes concentrés? Oui. Écoutez, voici l'énigme. Elle fait marcher à la baguette. Elle connaît la dextérité. Vieille et laide, ou jeune et jolie, elle resplendit dans son logis. Qui est-elle?
elle, je répète, elle fait marcher à la baguette. Elle connaît la dextérité, vieille et laide ou jeune et jolie. Elle resplendit dans son logis. Qui est-elle? Oh. La fée? Ah, la quoi? La fée? Mais enfin voilà, une seule réponse et c'est la bonne. Mais oui, la fée, la célèbre baguette de fée. Les doigts de fée donnent de la dextérité. Les bonnes fées sont jeunes et gentilles, au contraire des mauvaises comme la fée Carabosse. Et la fée du logis fait merveille dans les tâches ménagères. Et ben voilà. Vous n'avez pas tombé? Bon, écoute, là, je suis vraiment, comment on dit déjà, abasourdi. Oui, c'est bon. Oui, bah, oui. Bon, ben voilà, vous avez un indice. Et continuez. Merci, voilà, vous avez père. Combien d'indices en tout? Pas beaucoup. Hein, là, ah, alors, alors, on parle pas dedans. Allez, allez. Allez, on est. Allez, bravo, 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 Sophia. Eh, ben, oui. Sympa. Je vous le rends. Pas de mauvais sort sur la fée. Bon, nous allons savoir dans un instant si Sophia a réussi à retrouver un indice chez le père Foura. Je souris parce que je vois mon Patrick harnaché et que c'est une première quand même. Tu n'as jamais sauté l'élastique? Oh non, non, jamais. J'ai toujours pas sauté d'ailleurs. Non, non, en effet, oui, c'est vrai. On l'anticipe, mais bon, nous allons voir ça dans un instant. Ah, mais voilà, Sophia qui est là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Finger in the nose. Donc j'ai plus besoin de faire mon épreuve. Si, 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 plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais. Je peux me dédarnacher. Non, troisième, non, je t'en supplie, bien, je t'en supplie. Patrick, je t'en prie, tu vas pouvoir monter sur la passerelle et rejoindre avec Antoine. Tout ce truc, là, avec tout ton oui, avec ta caravane. Qu'est-ce qu'il va faire? Le reste de l'équipe, s'il vous plaît, mettez-vous en position pour pouvoir... encourager. Voilà. Encourager Patrick. Sachant que le but reste toujours le même, récupérer le code qui se trouve attaché à l'élastique afin d'ouvrir le coffret dans lequel se trouve la cartouche. Antoine, t'as indiqué un peu ce qu'il y avait à faire? Alors, j'ai pas bien compris parce qu'il paraît que j'ai la tête en l'air au moment où il faut que je remonte et mais que je serai droit. Enfin, j'ai pas. J'ai compris qu'il fallait que je me jette dans le vide. Ça, c'est certain. Ça, je te le après, je ne. Antoine, occupe-toi de Patrick maintenant, sécurise-le s'il te plaît et attache-le à l'élastique. C'est par là que ça va se passer. D'accord. Ça va se avancer un poil. D'accord. Mais je suis attaché là pour l'instant. Ah bon, d'accord. C'est vrai que c'est mieux. Non, non, arrête, non, ne saute pas maintenant. Écoute, somme toute, le rêve de tout homme n'était-il pas de voler à une époque avant que l'avion n'existe? Oui, ben justement, comme l'avion existe, peut-être qu'on pourrait éviter. Tiens, j'ai choisi tout juste un exemple à la con pour le coup, mais bon. Bien. Il est juste, ce sera à ses pieds, il faudra qu'il se redresse Patrick, pour tirer sur la petite bandelette rouge, là. Pour Antoine, c'est bon, tu es maintenant sécurisé. À partir de maintenant, tu sautes quand tu le sens. Je te fais remarquer que j'ai un petit truc. C'est bien, on va bien entendu te laisser le passage libre, mais personne ne te poussera. Tu le fais, voilà, tu le fais au feeling. Quand tu le sens, tu plonges. Allez, on est tous avec toi. Encouragez-le. Bravo, Patrick. Allez, Patrick. 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 On remet la chaîne. Qu'est-ce qu'il faut que... On sort un petit peu ses pieds. On reste concentré. Écarter, c'est faire comme ça, c'est ça? Il va le faire. C'est l'occasion ou jamais. Eh ben, on va pas faire trop traîner, non? Rodolphe, il est déjà sur le coup. Attention, attention. Ouais! Alors écoutez bien, il va nous crier le code, il l'arrache. C'était un magnifique saut. Fais pas tomber le code, Patrick, sur toi. Hein. Tranquillement. 31-59. 31-59. 3-1-5-9. 3-1-5-9. Allez, perdez pas de temps, surtout sur l'ouverture. C'est bon. Génial, génial, allez récupère là et montre-lui la cartouche. Hey, c'est gagné. Ah c'est ça, heureusement. La cartouche. Le saut est clément.
attention. Il s'est complètement lâché, abandonné, c'était magnifique. Bon, et ben voilà. J'ai eu peur qu'il lâche la cartouche. Il me semble, malgré le vent, que ça a sonné. Je vais te laisser remettre la cartouche à Passepartout. Et nous, on va se dépêcher d'aller au conseil et rejoindre les maîtres des ténèbres pour gagner du temps dans la salle du trésor. Patrick, tu déchires. Les candidats entrent dans le conseil pour affronter et défier les maîtres des ténèbres. Gagner des duels est indispensable pour récupérer du temps si précieux à la collecte des boyards. Messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte cette nouvelle séance du conseil. Bon, écoutez, jusqu'ici tout va bien, hein ? Bon, en même temps, vous me direz, ce n'est jamais que le début. Espérons que cela continue. Placez-vous derrière Passe-Murat, il passe partout. Ah. Bien, tiens, installe-toi, juste ici, derrière Passe-Murat, il passe partout. Alors cette fois, fini les machineries infernales et les sauts dans le vide. Maintenant, vous allez pouvoir jouer avec des petits bouts de bois, des feuilles et des morceaux de craie. Et c'est pas pour ça que ça va être plus simple. Votre objectif, gagner du temps en plus dans la salle du trésor. Là, il va vraiment falloir être stratégique et vous concentrer. Alors, ça va se passer comme ça. Il y en a quatre qui vont être appelés pour jouer face au maître des ténèbres dans la salle du conseil. À chaque fois qu'un candidat sera appelé, le reste de l'équipe aura la possibilité de miser sur les duels, soit 10, 20 ou 30 secondes. Jusque-là, tout va bien. Par contre, attention, il y a un piège, c'est moins 15 secondes. Là, il va vraiment falloir vous battre pour éviter de les perdre. Le temps, c'est de l'argent, vous allez vous en rendre compte plus que jamais tout à l'heure dans la salle du trésor. Alors, il y a une bonne nouvelle, une petite lucarne juste derrière vous. Vous allez pouvoir voir comment ça se passe à l'intérieur du conseil, découvrir les jeux au fur et à mesure et décider quelle mise faudra adopter. J'appelle Sophie. 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 Suis Passe-Murat, tu fais le tour là et on croise les doigts. Elle a une très bonne mémoire. Très bonne mémoire. Elle nous l'a prouvé tout à l'heure. Sophie, sois la bienvenue au conseil. J'ai demandé à Béatrice d'être avec nous, de manière à ce que les choses soient claires pour toi. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Sophie, tu vas donc avoir un premier duel à faire avec le maître. Vous avez, le maître et toi, le même nombre de boyards percés en leur centre. À tour de rôle, vous allez placer un boyard dans le verre qui se trouve devant vous. Sachant que le premier de vous deux qui le fera couler aura bien sûr perdu ce duel. Est-ce que c'est clair pour toi ? Oui. Très bien. Nous allons voir maintenant ce que ton équipe compte miser sur ce duel. 30. Oui, 30. 30. 30. 30. 30. C'est bien sûr. 3 réactions. 20. Vous pouvez aussi vous débarrasser de vos 15 secondes si vous estimez que le jeu est facile et qu'elle peut le remporter. Moi, je pense qu'elle vous en débarrasser. Moi, j'ai une grande confiance en elle sur ce genre de truc. Moi aussi, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Miser 30 ou se débarrasser des moins 15 ? C'est à vous de voir. C'est la première. Parce que moins 15, on commence par ça aussi. C'est encore mieux. On peut se débarrasser de ça. Parce que ça veut dire comme ça. Il n'y a plus de risque. Après, ça peut être que du bonus. Surtout quand Rodolphe va aller à son tour. J'ai confiance aussi, moi. Plaisir. Allez, on fait moins 15. D'accord. Moins 15 secondes. Bien, Sophie, ton équipe mise sur les moins 15 secondes. Ce qui signifie donc, je te le rappelle, que si tu remportes ce duel, tu désactives cette pénalité. Pour le moment, vous avez 3 minutes de garantie dans la salle du trésor. Si tu venais à perdre ce duel, vous n'auriez donc plus que 2 minutes et 45 secondes. Bonne chance à toi. Attention, je te le rappelle, c'est toi qui commence. Jouez !
Ah là là. Putain. Malheureusement, le maître t'a piégé. Je suis désolé, Sophie. Mais les moins 15 secondes sont donc maintenant activées. Vous n'avez plus que 2 minutes et 45 secondes dans la salle du trésor. Je t'en prie, tu peux quitter le conseil par ici. Merci, Béatrice. Bravo. Non, c'était super. Super. C'est pas de ta faute. Il y a un moment donné, c'est tout, soit toi, soit lui. Mais voilà. C'est une question de chance. Mais c'était super. T'as été parfaite. T'étais parfaite. De fée. Délicate. Montre-nous tes doigts de fée. Ouais. Mais oui, ah oui, et oui. J'appelle Darius. Darius. Allez, pas de pression, tu vas calme, ça va être super. Je te laisse pas déstabiliser, ils vont tout faire tout court à l'intérieur. Ça va ? Darius, sois le bienvenu au conseil. Merci. Maître, je demande le jeu. Darius, voici le duel dit des feuilles de papier. À mon signal, vous allez vous emparer chacun du parchemin qui est devant vous et qui est plié. Vous l'allumerez à sa pointe. Et le premier de vous deux qui soit fait éteindre le feu de son papier, soit qui lâche le papier, a perdu le duel. C'est clair ? Nous allons voir maintenant ce que ton équipe compte miser sur ce duel. Est-ce qu'il est astucieux et est-ce qu'il est résistant ? Il résiste ? Allez, on met un. Il résiste. C'est risqué. Ouais. Je fais ? Vas-y. De toute façon, il faudra bien le passer. Oui. 20 secondes. Okay. OK. Darius, ils te font confiance. Ils ont misé 20 secondes. Bonne chance à toi. Messieurs, saisissez-vous du papier. Attention. À mon signal, ensemble, vous l'enflammez. C'est parti, jouez. C'est bon. Darius, j'ai peur malheureusement... C'était rapide. ...que ta feuille se soit éteinte, non ? Oui. Oui, j'ai bien peur. Oui. Tu peux la reposer. Bon, ce duel n'aura pas duré longtemps. Oh non ! Je suis désolé. Oui, maître, laissez-le comme ça. Tu as malheureusement perdu le duel face au maître. C'est dommage parce qu'il y avait 20 secondes en jeu. Je t'en prie, tu peux quitter le conseil. C'est absolument pour rien. Mais non, je ne sais pas, c'est une réaction. Je sais pas. C'est l'oxygène dans l'air. C'est pas normal. C'est pas normal. Je suis bien d'accord avec vous. J'ai les nerfs avec vous. Je suis un chat noir là, il y a un truc. Bon, et on a encore 41 secondes de possible à gagner. Il faut vraiment gagner les deux prochains défis. Parce que là, 2 minutes 45, c'est chaud. C'est horrible. J'appelle Patrick. Allez, Patrick. Allons, bon. Patrick, tu déchires. C'est tout pété, voir des PPD. On va lui mettre 30 secondes. Monsieur l'éducateur. J'ai perdu en fait. C'est d'ailleurs. Je crois que c'est fini. Patrick, sois le bienvenu au conseil. Bonjour. Maître, je demande le jeu. Patrick, voici le principe de ce duel. Le maître et toi avez le même nombre de pièces de bois. Elles sont de couleur rouge pour toi, bleu pour le maître. À mon signal, c'est toi qui commenceras. Vous poserez une pièce de bois l'une sur l'autre, jusqu'à temps que l'édifice s'écroule. Celui qui fera bien sûr tomber l'ensemble des pièces de bois aura perdu ce duel. Nous allons voir maintenant ce que ton équipe compte miser sur celui-ci. Il faut 30. Et il a une force tranquille. Oui, c'est ça. Il n'hésite pas. 30 parce qu'en plus, après, les seules personnes qui peuvent choisir, c'est du 10. C'est ça. Oui, on parle bien de toi et de moi. Alors allez-y, je vais vous demander de valider vos secondes. Vas-y, Darius. Sophia ou Darius ? Patrick, il mise le maximum, 30 secondes. Te font donc confiance. Bonne chance à toi. Attention. Jouez.
poser avec une seule main, en fait. Attention, Patrick, une fois que la pièce est posée, elle est jouée. Tu peux pas la replacer. Placer jusqu'à la dernière pièce de bois, de mémoire de conseil, on ne l'avait jamais fait. Mais il a raté quand même. Certes, mais rien que ça déjà mérite le respect. Merci beaucoup, Patrick. Tu peux quitter le conseil. Alors là, respect, franchement. Là, j'ai perdu. Ouais, mais vraiment respect. Donc, ouais, c'était très calme. Je te jure, c'était incroyable. C'était ta dernière pièce ? Ouais, c'est la dernière. Quel dommage. Bon, on est toujours à 2045, bon. Hein, ça arrange pas nos affaires, tout ça. Vous pouvez encore arriver à 2,55. Vous n'avez pas de perdre tous les défis, quand même. Non, c'est pas de genre. Ça, c'est comment fait. Tu disais, Sophie, ils sont méchants, Emmanuel. Ouais, ils sont méchants. Méchants, comme ça. J'appelle Virginie. Allez, Virginie. Bon, pas de pression, de toute façon, t'inquiète pas. Tu peux que faire mieux, hein. Égoïstement, je suis soulagée. Virginie, sois la bienvenue au conseil. Maître, je demande le jeu. Virginie, c'est le dernier duel. Vous n'avez pas gagné de temps supplémentaire, vous en avez même perdu. 15 secondes pour le moment, par rapport aux 3 minutes qui vous étaient garanties au départ. La possibilité pour toi donc de récupérer au moins 10 secondes sur ces 15 perdus. Avec ce dernier duel, nous allons d'abord voir la confirmation de cette mise par ton équipe. Allez, c'est validé. Les 10 secondes sont confirmées. Voici le duel. Le maître et toi avez des pièces hexagonales de même nombre. Vous avez chacun une couleur, le rouge pour toi, le bleu pour lui. Vous allez devoir choisir à chaque fois une pièce au hasard. La retourner, qui cette pièce vous indiquera le chemin à prendre. Le tout étant bien sûr d'arriver le premier au centre du damier. C'est toi qui commence. Jouez. Bah vous.
Le maître passe son tour. Virginie, tu te rapproches. Le maître passe son tour à nouveau. C'est ce qui s'appelle gagner son but. Oui, là, putain, là. Bravo. Je t'en prie, saisis-toi maintenant de ces 10 secondes et verse-les dans la colonne du temps. Français par ici. Hey, t'as sauvé l'honneur. J'ai le cœur qui bat très fort. Et les 10 000 que tu viens de gagner, elles sont précieuses. Tu lui as mis une tombe. Il était minable. Il a regardé dans les yeux. Il a tout de suite compris à qui il avait affaire. Mais bien sûr. Messieurs, c'était presque en sans faute. C'est étonnant. Je me sens un peu inutile ce soir. La séance du conseil est close. On fait un point. Vous avez 6 clés, 3 cartouches et 2 minutes 55 dans la salle du trésor. C'est pas mal du tout. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment trouver le mot-code très, très, très vite. Donc on va rejoindre Olivier sur le prosélytisme. Et moi, je crois en vous. Je suis sûre que vous allez faire un carton. Allez, c'est dans une bonne énergie. On va pas te décevoir. J'espère. Pour entrer dans la salle du trésor, afin d'écrire le mot-code et provoquer la chute du trésor, il faut en ouvrir l'accès. C'est le nombre de clés placées dans les serrures qui détermine la hauteur de cet accès. Mais attention, si des candidats non vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture, une herse bloque la sortie des tigres, mais provoque la perte totale et définitive de tous les boyards amassés. Il est indispensable pour les candidats de récupérer les 6 clés tombées au milieu du trésor, car une seule d'entre elles ouvre le coffret potentiellement récupéré précédemment. Allez, venez, ne perdons pas de temps, car le trésor vous attend. Rappel d'abord concernant vos clés, 6 donc au total, que Passepartout va vous distribuer et que vous allez donc placer dans les serrures qui se trouvent juste derrière vous. Passepartout, s'il te plaît. Allez, distribution. Merci. Très bien. Merci. Vas-y, Patrick. Vas-y, vas-y. Merci. Parfait. Sophia. Virginie. Très bien. C'est bien, c'est bien. Pour ce qui est des indices, nos amis n'en ont que 3. Peut-être sera suffisant. Nous allons se rendre dans un instant. Passepartout. Distribution, également. Parfait. Au niveau du temps, plus serré, 2,55 seulement. Allez, soyez bon, stratégique comme il le faut et trouvez rapidement ce mot-code. Attention, Felindra, fais sortir les tigres de la salle du trésor. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Premier indice. Vas-y, tu l'enlèves. Tu l'enlèves et tu fais la marche. Premier indice. Oh, bon, Sophia. Base. Entorse. Trois. Base. Entorse. Entorse. La grille s'ouvre. Base. Sophie, regarde bien. Entorse. Base. Entorse. Numéro 3. Allez. Un nombre en singulier. Base. Allez. Base. Entorse. 3. Base. Le cheval de 3. Cheval. Attention à l'orthographe. Base. Entorse.
Exception. C'est base. Entorse. Règle de 3, exception. Règle. 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 Si vous êtes sûr de vous. G-L-E. Une lettre à Sophie. Est-ce qu'elle a bien compris sa lettre? C'est bon? OK. Allez, faites pas d'erreur sur le dernier. Organisez-vous bien. Soyez méthodique. Un G, là-bas. Alors, on recommence. R. E. G. L. E. Regardez bien le puits qui est devant vous. Félindra, tête de tigre. Allez, un maximum de boyards. N'oubliez pas les tissus pour les coffrets. Attention surtout à la porte en revenant. Vous avez une ouverture assise, je vous le rappelle, et vous ferez attention dans les escaliers également. Commencez les allers-retours, commencez les allers-retours. Dépêchez-vous, vous n'avez pas beaucoup de temps. Allez, c'est bien. Doucement dans les escaliers, Patrick. Aucun étage. Ne te précipite pas sous la porte. Vas-y, tranquillement. Super, faites pas tomber les moyards, ah là là, jusqu'au chaudron. C'est bien. Allez, super. Vous avez le temps de retourner. Allez, vous y retournez et arrêtez de les porter maintenant. Arrêtez les porter. Allez, retournez-y vite et allez tout le temps porter, sinon vous allez perdre du temps. Prenez-en dans les mains, dans les bras, tout ce que vous pouvez. Oui, jusqu'à ce que la grille soit... La grille est fermée, voilà, la grille est au sol, je ne peux rien ramasser. Mais c'était pas tant pour une prisonnière. Oh, dommage. Oui. Allez, à la pesée, je vous en prie. Nous allons d'abord revenir sur les indices qui vous avaient donc été donnés. Pour l'entorse, faire une entorse à la règle, c'est exceptionnellement ne pas la respecter. Base, la règle de base est la première règle à respecter. 3, la règle de 3 qu'on apprend à l'école. Et exception, faire une exception à la règle, c'est y déroger. Vous l'avez trouvé, ce mot règle, ce qui vous autorise donc à récupérer une part du trésor. Nous allons d'ailleurs voir à ce propos maintenant si vous récupérez également le contenu d'un des deux coffrets avec les clés qui ont été prises dans la salle. Passepartout, viens s'il te plaît. Avant toute chose, le choix concernant les coffrets, celui de droite ou celui de gauche? Droite. Allez, vous tenterez donc d'ouvrir celui de droite. Il n'y a que 5 clés à récupérer, puisque vous n'étiez que 5 dans la salle du trésor. Allez. Je sois choisi, mon chéri. Les innocents, hein. Les innocents, moi je suis tellement pas, donc... J'ai tellement chat noir aujourd'hui. Ok, c'est ok. Très bien, la sixième est remise à Passe-Muraille. Vas-y, Sophia. Et c'est toi la première. On a bien dit donc le coffret de droite. De droite. Non. Oups. Ça ne sera pas avec toi. Darius, à toi. C'est plutôt Alibaba. Non plus. Virginie. Tu veux dire quoi ? Virginie à la main. Pas davantage. Oh là là. Allez, Sophie. Une belle combinaison. Oh, c'est chouette, les cœurs. Mais alors, Patrick, j'aimerais quand même savoir pourquoi est-ce que pour toi il était si clair que ce soit celui de droite? Pas parce qu'elle allait voter à gauche. J'étais sûr. Évidemment. Ouais. Bah, étonnant. Non, mais voilà. C'est bon. Voilà, t'as fait le bon choix. Non, mais t'as fait le bon choix. Je m'en veux beaucoup pour cet empilage raté. Donc, non, fallait non, pour le coup, alors vraiment pas. T'as été héroïque. Bien, ces boyards s'additionnent donc à ceux que vous avez récupérés dans la salle. On va maintenant procéder à la pesée grâce à Passepartout et à Passe-Temps. Je vous en prie, messieurs. Vous voulez de l'aide de ça? Regardez, ça fait chaud, hein. Voyons ce que tout cela donne.
Ça sent le beau butin. Ouais. On a fait ce qu'on a. Regardez, fait. C'est là-bas. 20 620 euros. Ça fait 140 000 francs. Écoutez, alors vraiment, je trouve que c'est une belle récompense pour tous les efforts que vous avez fournis les uns et les autres. On était très heureux de vous avoir avec nous. Nous aussi. Et nous, on était contents d'être là, monsieur Mine. C'est vrai. Ah ouais. Alors donc, le plaisir vraiment, était partagé. C'est sympa chez vous. Hein. Parfait. Je voulais vous dire donc que vous serez toujours les bienvenus ici. Une mention particulière pour certains d'entre vous. Il y a des souvenirs comme ça qui me restent, des images qui me restent. Il y a bien sûr Sophie qui a tenté le tout pour le tout sur le fil là-haut. Et Dieu sait comme ça n'avait pas été simple. Non, mais attends. Tu as tenté. Le superbe plongeon de Patrick. Oh, oui. Oui. Je connais un petit bonhomme devant son écran ce soir qui est fier de son papa, ça c'est certain. Virginie aussi, bien entendu, avec les araignées, exemplaire. Bien sûr. Les sodos pour Darius, c'était pas mal non plus. Alors je dirais en effet que les sodos de Darius, je crois qu'on va l'appeler la cellule Darius. Il n'est même pas tombé. Et puis pour ce qui est de Rodolphe, alors je vais te dire, la chaise instable, tu nous as vraiment donné une belle frayeur. Je l'ai pas vu. C'est moi. Oui, c'était lui. Elle est désagréable. Avant de nous quitter tous, je voulais faire... Alors moi, je peux du bec. Non, excuse-moi, merci. Le père Foura, et Dieu sait comme il n'est pas simple de s'en sortir. Avec le père Foura. Bien entendu. C'est rajouter un petit peu le cerveau de cette équipe. Avant de vous quitter, je voulais également dire un grand merci et dire que nous avions été très heureux de l'avoir avec nous. C'est Béatrice. Parce que voilà, elle a été auprès de nous, elle nous a suivis alors qu'en plus elle s'était fait mal au pied, la pauvre. Donc voilà. Bon courage de la part de Béa. Encore grand bravo à vous tous. À bientôt et mille choses pour la suite dans vos carrières respectives. Moi, je retourne déjà dans mes quartiers. Oh non, Olivier, Olivier, des bonnes choses au-dessus. S'il y a un moment, il y a une autre chose qui fait. Bon, en tout cas, c'est bien joué. Franchement, on n'avait pas lâché. On partait pas bien, j'ai envie de dire. Effectivement, il y a eu un petit temps de chauffe. Hein. Bon, est-ce que vous êtes amusés? Oh là là. Est-ce que vous reviendrez? Oui. Est-ce que vous participerez à notre stage de perfectionnement que nous organisons la semaine prochaine? Ah, alors, c'est-à-dire que moi, j'ai gym au sol. Alors, bon, en tout cas, c'est vraiment une très belle somme qui revient à l'association. Je vous laisse repartir avec tous vos voyages. Je te les remets, Sophie. Attention, c'est lourd. Hein. Un petit mot pour l'association qui veut en parler. En fait, donc, Sophie va en parler, Sophie et Patrick aussi, puisque l'argent va aux oubliés des vacances. Sophie et Patrick voulaient raconter des petites anecdotes sur les enfants qui sont partis en vacances grâce au Secours Populaire. Oui, donc à l'occasion de l'anniversaire des 70 ans des congés payés, une fête a été organisée dans un hôtel 3 étoiles au bord de la mer. Et un petit garçon, en arrivant à l'hôtel, s'est écrié « Oh là là, quel château !» Voilà. Ouais. Et alors que c'était juste un hôtel, 3 étoiles, mais pour ce gamin, c'était complètement merveilleux, incroyable. Une deuxième petite histoire, c'était une petite fille. Quand tu lui as demandé ce qu'elle préférait, elle a répondu, moi, ce que j'ai préféré, c'était la baignoire, parce qu'elle était très douce. Voilà, donc c'était émouvant aussi. Et puis, encore une autre, c'est une maman, une mère d'enfant, qui était étonnée d'avoir de l'eau courante dans la chambre d'hôtel. Incroyable d'entendre ça encore aujourd'hui. Il faut savoir qu'on est en pleine vacances et qu'il y a plein de gens qui sont devant leur télévision ou pas et qui ne peuvent pas, partir en vacances. Et je crois que là, avec nos 20 000 et quelques euros, là, vous pouvez être fiers de vous. On va pouvoir en aider beaucoup. Vous allez pouvoir faire de grandes choses. Et puis alors, c'est pas tout. Grâce à vous, je rappelle que les enfants de l'association recevront également ces cadeaux. Regardez. Mindscape offre à votre association 10 consoles Nintendo DSi avec le jeu Fort Boyard, casse-tête et énigme pour découvrir les cellules cachées du fort. Et TV Magazine offre un an d'abonnement à nos candidats du jour. Vous avez été heureux ce soir. Merci beaucoup à vous. En tout cas, merci pour votre bonne humeur. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Vous êtes toujours les bienvenus. Si vous voulez revenir, la porte est grande ouverte. Et puis, je vous rappelle à vous, chez vous, que vous pouvez, vous aussi, défier le fort sur le site de France 2 au www.france2.fr. Excellente fin de soirée à tous sur France 2 pour faire un petit signe à tous les enfants qui vous regardent. Faites ici. Ciao. Bye bye. Merci. Au revoir, Fort Boyard. Au revoir, Fort Boyard. Je vous raccompagne. Ce soir, la formule gagnante, c'était espoir, victoire, moyen. À bientôt pour de nouvelles